Non, il me semble que c'est moi qui ai fait la majorité C'est du Gal qui truc avait avec fait. Lucky. J'ai fait la foire encore avant. Bon, je vais le faire. Mais non, c'est Golden! Un Golden! Allez, ne le fais Golden! Jamais! Mais si, je l'ai fait la fois d'avant. Non! Arrête, Golden! Tu ne pourras pas y échapper! Je passe sous un tunnel. Mais on peut vérifier vu que la semaine dernière elle est déjà sur YouTube. Oui. Le pauvre. Il s'est passé des choses. Voilà. Non, je vais résumer. Non. Sinon, voilà, je peux le faire. Non, sinon, bah, c'est bon. Je te taquine. Et la révolte, mais le jeu il fait jamais des résumés. Ah, ah ouais, bah, c'est vrai. Est-ce que j'allais dire? Mutinerie! Révolte! Révolte! Vas-y, Ren. Non. Ah bah si, on t'écoute. Si. Non, je suis révolte. Le mojo, j'ai bah le droit. Justement, c'est au mojo de faire les résumés. Non. Bah si. Si. Eh bah non. Et bah maintenant... C'est le mojo qui instaure ses règles. Ouais, mais c'est nos règles. Non. C'est quand? Parce que t'as tout le résumé de la session précédente dans ma fiche. Eh bah justement, vu que t'es préparé, tu peux la faire. Ok. Non, mais la session précédente peut se résumer à... On a joué les fouinards. On a joué les fouinards. Je sors mes chichis parce qu'ils sont pleins de sucre. Oh non, j'en peux plus. J'ai eu le bon ton d'éteindre la musique. Ça suffit. Ah, j'ai besoin de rire comme ça. Stop it! Arrêtez de poser vos pions! Arrête. Non, laissez-nous chevaucher les fouinards! Laisse-nous! Non! Les fouinards! C'est de la merde! Ouais. Rigolo! Dans la Pokéball, les fouinards! Ça me rappelle qu'il y avait un mini-jeu avec des fouinards sur Pokémon Stadium 2. Je bois et je raconte le résumé. Donc, résumé. Résumé de la session précédente. En une phrase, on a résolu une affaire. Okay. En un poil plus développé, on a suivi les pistes à Canterlot, qui nous ont amené à Cloudsdale. Cloudsdale, on est allé voir, mais avant de pouvoir y aller, on a dû revoir la directrice de l'académie de magie. On est passé lui faire coucou. C'était cool. Elle nous a donné des parchemins pour aller sur les nuages. On en a profité. Enfin, on est allé à Cloudsdale. On a demandé des informations. Et ça nous a amené vers une ville qui s'appelle Port-en-Équin. Nous avons aussi été voir l'une des amies d'école de Perfect Shuffle, qui nous a donné tout plein d'informations, notamment que Windarmor, le père de Perfect Shuffle, la battait. Ouais, ça c'était pas cool. Et il est mort, et ça c'est cool. Et voilà, il l'a frappé avec une ceinture. C'est salopard. Ne frappez pas vos enfants. Étrangle, c'est plus humain. C'est ça. Non. Je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui allait pas bien comprendre ce que j'ai dit. Et tu en dis. Non. Je me suis dit que quelqu'un allait pas bien écouter. Et ça a marché. Ok. Ne les étranglez pas, aimez-les. Aimez vos enfants. Ou mettez-les à l'adoption au moins. Ou sinon, avortez-les. Ouais, alors ça dépend. Après un certain âge, c'est plus trop possible. Tu les avortes. Oh putain. Quoi, ils ont 10 ans, tu les avortes. Bref. Bref. Donc après.
Après avoir pris cela, nous avons donc fait chemin vers Ferroute, vers Pornequin. Parce que l'ami de Perfect Shuffle nous a dit que ben, y avait un Pégase qui traînait un peu autour et que Perfect Shuffle lui parlait pas mal. Donc on y est allé, on a retrouvé le gars qui nous a dit que ben, sa femme elle était morte et que du coup il était triste. Du coup il a kidnappé une gamine pour se sentir moins seul, et c'est qu'après qu'il a appris que ben, le père de la gamine l'a frappé. Et du coup il a décidé de la garder. Et nous on va juste dire que et on va pas raconter toute la vérité, on va garder la vérité pour nous. Parce que sinon il serait dans la merde. Et on va juste dire que qu'il a découvert que le père frappait sa gamine et que du coup il a décidé de l'amener dans un endroit plus sûr. Mmh. Mais vous avez oublié le moment le plus important de la session. Oui, il est vrai que durant mon résumé, j'esquive un petit peu cette partie. Parce que dans le chemin pour retrouver la directrice d'école, son but pour avoir des informations. Dans le chemin, Fizzle se rappelait d'une adresse qu'on lui avait indiquée, que ses anciens camarades de classe lui avaient indiqué. Ah, c'était pas non, ça le plus important. Pas ça. Mais non, oui. Pas ça. Non, c'était comment vous avez eu des informations grâce à un bras de fer aidé par un cul. Et quel cul? Son cul. Ouais. J'avouerais avoir un peu space out durant ce moment-là. Ben c'est bon, Silver il est d'accord avec ça parce qu'on n'a pas essayé de piquer le pognon des autres. Sinon il aurait rendu le pognon. Oui, pognon. Pognon. Et du coup pour en finir avec la petite histoire, Fizzle qui s'est rappelé et qui a cru. Blague sur elle, jokes on her, que ses camarades lui auraient donné la vraie adresse de sa directrice. Et en fait, non. Non, 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 on lui a donné l'adresse de Black Diamond. Voilà. Oh, la propriétaire de la maison close, c'était pas la maison. C'était le propriétaire de la maison close, pas la maison close directement, non? Bah, elle est juste à côté, je crois. Oui, elle est juste à côté. Oui, elle est littéralement à 2 mètres. Voilà. Ok. Et donc, du coup, vous étiez actuellement à Port-en-Équin. Oh. C'est ça. Et au soir même, d'ailleurs. Vous veniez tout juste... Non, c'était le lendemain matin. C'était le lendemain matin que vous avez été le voir. Oui. Donc il vous a raccompagné à la porte en vous remerciant chaleureusement. Avant de partir, je lui aurais parlé de la Luz de la Muerte. Évidemment. Ok. Tu lui dis quoi exactement? Bah le blabla habituel. Le saviez-vous? La Luz de la Muerte va vous protéger, vous et votre enfant. C'est ça. Eh bien, persuasion, un jour, il y aura tout le monde qui aura un masque. C'est ça. Mais de la tantoul. Et si tout le monde... si tout le monde... Oh bah lui, je crois qu'il va en mettre un. Si tout le monde a un masque, oh, ça veut dire qu'elle aura très bien fait son boulot. Ouais. Ah, d'accord, bah j'y penserai alors. Ouf. Tu m'étonnes qu'il va y penser. Le cul. C'est le cul de... C'est le cul qui lui a aidé à penser au culte. Ah non, on mélange pas les torchons et les baguettes. Les coups de la moitié. C'est le coup de la moitié. Le culte, bordel. Le culte de la moitié.
Les cultes de la muerte. Et c'est pas un culte, c'est vrai. Connard. À la fin, la Cité du Soleil, ça va devenir New York ou un truc du genre. Alors il va y avoir du monde. Ça, New York. New York. Parce que qui dit ce coup-là qui va faire des adeptes, qui va être Roosevelt arriver à la Cité du Soleil, sa famille va rien comprendre. Bah, puis tu as changé. On voulait des gens de qualité et toi, tu as pensé à juste la quantité. Non. C'est bien ma fille. Ils sont pas obligés d'aller à la Cité du Soleil. Hein. C'est vrai. Elle va ouvrir une église à la fin. Pourquoi, Golden, pourquoi se limiter à une? Oui, c'est vrai. Une des cathédrales. Mais une dans chaque ville? Deux dans chaque ville. Une dans chaque quartier. C'est un peu beaucoup là. Ouais, ouais, un peu. Ça va faire le gospel après, pour la luz de la muerte. Le gospel, c'est quand l'enfant il a pris un coup de soleil. Bon, j'arrête. Non. Alors, Ren, sache que si on était en physique, je t'aurais jeté mon crayon. Si on était en physique, je t'aurais jeté mon crayon. La blague est valide. La blague est valide. Loupi a rigolé, donc ça va. La blague est bien. Gag qu'on peut plus. Mais en fait, là, c'est l'inverse. C'est tout à l'heure, j'étais pas bien. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. Je vais bien. Je vais bien. Je vais mieux. Je vais mieux parce que sinon, je vais tout pourri. Voilà, 10 minutes de vidéo et... Oui, il ne s'est rien passé. Ah ouais. 11 minutes. Presque. Aïe, aïe. Record battu. Abonnez-vous, mettez la cloche. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Un pouce bleu. Les grosses valeurs pour Jacques. Cliquez, du bande coup... de salopes. Du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, là, maintenant, seul, sur cette... dans cette ville portuaire? Bah, on baise. Ah non, pardon. Je me trompe de personnage. Presque. Bref. Du. Comment ça, presque? J'ai rien dit. Ce coup-là est vierge, laisse-la tranquille. Espèce d'impur. Storm couché, bref. Quoi? Non, c'est Oscar qui dit Storm couché. Ah, tu reviens. Il est mort. Il est mort, Jim. Il est mort, Jim. Donc, messieurs, dames, quoi faites-vous? Ouais. Magnifique ville portuaire où vous pouvez apercevoir déjà tôt le matin le départ d'un bateau, très certainement en direction du continent opposé. Bah, je leur proposerais d'aller visiter un peu la ville, peut-être. Avant de repartir. Ouais, enfin, de chercher à repartir, parce que... Parce que le reste de notre chemin, on va partir, on repart à Liminon, on passe par Titan Speak et on partira à Gravelton avant de partir à Canterlot, ouais. Ou on retournera à Stalingrad. Non, on devait aller à Canterlot, je sais plus pourquoi. Ouais, je sais plus. Un doute. Regarde, pourquoi on aurait dû aller à Canterlot sans la terminer? Mais parce qu'avant la session, j'ai remis à jour, mon carnet de quêtes. Comme ça, on a une bonne trace d'absolument tout. Bah non. Non, par contre, ça, je sais pas encore. Je sais plus pourquoi on devait retourner à Canterlot. Ah si, on avait la lettre à envoyer, enfin même pas, si on devait, est-ce qu'on aurait dû dire par lettre ce qu'on... la résolution de l'affaire, ou est-ce qu'on y retournera à pied, à patte? Parce que pour l'instant, on a juste envoyé une lettre à Amber disant, ouais, écoutez, on a cette piste, du coup on va voir. Pour le reste, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que je posais la question. J'ai des absences. Alors, m'en veuillez pas trop. C'est quoi la question?
La question, c'est est-ce qu'on doit écrire une lettre pour annoncer à Amber la résolution de l'affaire, ou est-ce qu'on ira lui dire en face à face? Bon, on dira en face à face, puisque de toute façon, là, on va aller enquêter sur je sais plus quoi. Sur Titan Speak. Ouais, sur la suite, donc... Titan Speak, c'est... Autant faire un rapport quand on sera... Ouais, c'est notre affaire. Ouais, c'est l'affaire. Orchid Party. Mais ça, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on visite Port en Équin. Golden, Galzra. Oui. Galzra, t'as encore ton micro éteint. Du coup, on visite la ville. Ah, je vois. Cool. Juste préparer. Il y a plus de cartes. À tous les coups, Ren, il n'a pas de carte. À tous les coups. Ouais, en parlant de carte, c'est quoi la mienne? Félon. Félon. Une ville, Félon. Un ennemi peut décider de trahir. C'est bien ça. Amis. Ça va bien avec ce coup-là, pour une fois. Ouais. Et Galzra, il a un côté trahison, donc on a un ami qui peut nous trahir, mais il nous trahit, mais il nous aide quand même. Et Golden et moi, on a deux cartes qui peuvent bien mais se compléter. Je suis en train de les lire, Lucky. Pardon. C'est pas grave. J'ai rien dit. Mais j'ai dit Lucky. Ah ! Pardon. Ah. Je t'appelle pas Galzri. Mais maintenant c'est. Galzizi. Non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Je suis désolé, Loupi, mais quand t'as dit ça, moi ça m'a fait penser. Moi j'ai de suite pensé à Galzizi. Rip Gal. Non. Mais c'est pas toi qui choisis, hein. Pour les surnoms, si. Non. Est-ce que lui t'appelle. C'est pas le moment, messieurs dames. Pardon. Oui, mais c'est pas. Visitons Port en Équin. L'attention. T'inquiète, je m'en souviendrai. Du coup, on arrive dans, je suppose. Vous placez où vous voulez. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur le port. C'est assez calme. C'est juste pour vous donner une petite visualisation de l'endroit. Putain, j'oublie à quel point Fizzle est petite par rapport à... Mais tu vas le dire à chaque session? Non, je l'ai pas dit à chaque session. Si. Ah. À chaque session, on a une remarque sur la taille, soit de Fizzle, soit de comment il s'appelle, Silver. Ouais. Gars, pas de Wood. Bah non. Oh. Les gars, ça fait 8 épisodes quand même. Va peut-être falloir s'en remettre. Hein. Vous aviez remarqué. Ouais. Le saviez-vous? Et saviez-vous, saviez-vous, sur le visage de Skoula, ce n'est pas un masque ni de la peinture, c'est de la teinture. C'est de la teinture. Le saviez-vous? Le petit Gontran. Le petit Grégory. Le petit Grégory a été perdu dans le carrefour de Saint-Paul de Léon. Le petit Guillaume. Guillaume. Anciennement appelé Gilbert. Excellent. J'ai toujours pas la ref. Enfin bref, en soi, j'ai pas grand chose à vous présenter de Port en Équin. C'est vraiment une petite ville portuaire tranquille ou pépouze là. C'est un port et il y a des équidés dedans. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Parce qu'on va peut-être trouver des trucs locaux. Des babioles, je sais pas. Ouais. Le jeu. Bah écoutez, je vais vous mettre un marchand. Voilà. Je reconnais. Oui, elle était à la taverne.
Ah bah du coup, je vais aller lui parler de la Luz de la Muerte. Oh purée. Et d'ailleurs, tous ceux que je vais croiser, je vais leur faire la propagande. Pour l'instant, elle a plus l'air d'installer son stand tranquillement. Ah ouais, il doit être tôt le matin, non ? Plutôt tôt, ouais. Bah, on n'a pas non plus été frapper à la porte du mec à 6h. Oui, non, mais c'est assez tôt, mais il n'y a pas grand monde, etc. C'est une journée tranquille. Ok. Et elle vend des petites babioles, mais plus un petit peu d'outre-continent, outre-mer. Enfin, continent outre-mer. Oh. C'est-à-dire ? Bah, Cervidas, Zebrica. Puis le nom des autres. De l'Empire. Non, pas l'Empire, dans ce sens de la Nation des Reines. D'accord. Merde. Je vais aller voir où est parti Silver. Moi je vais le rejoindre. T'avais jamais vu la mer? Vous avez vu Monsieur Wood? On dirait que ça s'arrête jamais. Oui, j'ai jamais vu la mer. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer. Bah oui, moi et Silver. La mer de qui? La tienne. Ah d'accord. Bah elle est très gentille. Il fait un bon calasputi. Un délicieux risotto. C'est vrai que c'est vachement grand. C'est beau. Donc, Skoula, je viens de voir que tu t'approches de la marchande. Elle installe ses marchandises et te regarde. Oui, je peux vous aider ? Vous voulez de l'aide ? Oh non, vous embêtez pas pour ça, merci. Bon, et qu'est-ce que vous vendez ? Un petit peu de tout, babiole, gris-gris de Zebrica, petit porte-bonheur de Cervidas, quelques petits pots de... et outils de la Nation des Reines. Est-ce que vous auriez quelque chose pour les crins? Pour les crins, pour les attacher? Oui, ou les décorer, ou n'importe. Ah, je dois peut-être avoir ça, effectivement. Faut prévoir le style qui vous intéresse. Plus ce style... Zebrica, donc style un peu africain, style Cervidas, style plus celte, et style plus Nation des Reines, style plus nordique. Bah du coup elle va regarder, et je pense qu'elle en prendra un de chaque si elle peut. D'accord. Je dois faire un jet de richesse. Non, pas pour ça, des petites babioles, okay. Un peu cher. En fait, est-ce que vous connaissez la Luz de la Muerte? Luz de la Muerte. Et je vais lui faire mon speech. Il faudrait que je l'écrive un jour, mon speech. Non, je connais pas. Eh ben, écoutez. Et elle fait son speech. Je suis vraiment pas... Je reviens rapidement, je vais aux toilettes. Ok. Je refais un jet de perception, de persuasion. Vas-y, toujours, ouais. Mais que signifie ces bilveux énormes? Je ne savais pas qu'on trouvait des poissons dans ma mer. Ah bah... Oh bien... D'accord. Ils sont gros comme ta mère, je veux dire, Goldan. D'accord, bah c'est... Je ne connaissais pas. Eh ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est important qu'elle soit reconnue et connue. Bien, pourquoi pas. J'en parlerai à certains marins, peut-être que pour en parler outre-mer. Du coup, ce coup-là est très contente. Oui, mondialement connue. Contente. Il a fait bien mon travail.
Et puis elle lui dira, bon bah, je vous souhaite une bonne journée. Ben, merci, de même. Merci. Et puis, elle ira aussi voir la mère, parce que techniquement, elle a jamais vu. Les quatre pélos qui ont jamais vu la mer. Elle va grimper sur le muret. C'est le truc de tous les animés, de tous les dessins animés dans ce genre-là, c'est en mode « Oh, j'ai quitté mon village pour vivre l'aventure. » Quand ils voient la mer, tu passes un épisode dessus en mode « La mer, cette immensité bleue. » Cette immensité bleue. Ah, ça vous dirait qu'on aille se baigner ? Vous croyez ? Se nager là-dedans ? C'est pas si je sais nager. J'ai pas la compétence. Mais pas de compétence de nage, c'est de l'athlétisme. Ouais, je sais, j'ai été traumatisé par ce choses d'avant. Ah, toi aussi. Le combat de boss qui a duré 5 heures parce qu'il était au milieu de la flotte, plus jamais. Ah, chais. Ah, chais. Eh ben, moi, j'y vais. Maintenant, mais et les bateaux, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas trop de bateaux. Il n'y a personne. C'est pas dangereux, il y a des gens qui se noient. Bah, ils sont fait de nager. T'en viens, Fizel? Ah, mais il est pas là. Oui, c'est vrai, il est AFK. Tu es aux toilettes. Krugal, t'es pas invisible. Mao. Krugal, prends la place de Fizel. Mao, les crêpes. Tu viens nager, Fizel? Mao. Il a dit oui. Allez hop, Fizel, coupez-la et balancez-la dans la mer. Ah, ah bah si elle vole aussi bien qu'avec Celestia, elle fera des beaux ricochets, je pense. Plouf, 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 plouf. Je suis un petit poisson perdu tout au fond. Mais qu'est-ce que tu chantes, toi? Un dessin animé qui m'avait trop mal quand j'étais petit. Ah d'accord. Plouf, je suis un poisson, c'est horrible. La mort du méchant est horrible. Ouais, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait « Oh, la mort du méchant, elle est un peu anticlimatique. » La mort du méchant, il meurt noyé et on le voit son corps dérivé au fond de l'océan. Ouais, très bien. Quand t'es petit, ça surprend. C'est moche de spoiler. Pour enfant, bien sûr. Est-ce que c'est aussi violent que la transformation du rat dans Basile, là? Non, je pense pas. Non, quand même pas, Ren. J'ai revu des images il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas aussi traumatisant. Mais il y a quand même une scène où il y a un des gosses en poisson qui se prend un coup et il y a du sang. Et quand t'es petit, tu t'y attends est-ce pas. Est-ce que c'est aussi trash que la mort de Rasputin dans Anastasia? Non, 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 justement, c'est ce pas à ce point-là. Non. Ben, je trouve que l'un des plus trash que j'ai pu voir, c'est la mort de Clayton dans Tarzan. Ah oh ouais, putain. Oui. Oh oui, mais quand j'étais petit, traumatisé des forêts pendant... Yes. Tu m'étonnes. Ah, Lucky. Oui, je dis oui, je sais que t'as dit Reux, mais on parlait. Donc, du coup. Fizel, tu viens de te baigner? Ah, vous voyez que Fizel était en train de gribouiller dans son carnet. Pensez que vraiment qu'on peut se baigner? Bah oui. Pourquoi on pourrait pas? Je sais pas. Même pour l'instant, je peux rester là. Bah allez, viens, arrête d'être tout le temps dans ton coin. C'est un fruit, le coin. Quoi? Non. C'est un fruit. Bannez-le. Pour moi. Ok, j'arrive. J'arrive. Et hop, elle saute par-dessus le trou. Et elle se noie. Ah. Et on va se baigner, je sens le fumble. Bah lui, il va juste s'asseoir. Il n'aura pas besoin de gel, l'eau est assez calme, vous pourrez nager sans... Oui, mais prudence, il faut rentrer dedans petit à petit. Il faut se mouiller la nuque. Voilà, se mouiller la nuque. Moi, je plonge. Attends, je sais. Et vous aurez une petite échelle pour remonter, parce que c'est quand même assez haut. Pendant que t'as Wood qui essaye de faire trompette doucement, à ce coup-là, elle va sauter à côté et éclabousser. Plouf. Oh, elle est bonne. Mais... Qui a invité un breton? Ah, elle est trop bonne. Et là, Silver, il fait une bombe. Vous êtes sûr que c'est sans danger? Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, tu sais, l'eau, ça n'a jamais tué personne. Enfin, à partir du moment où tu te noies pas dedans. Bon, bah... Tu sais nager? Il n'y avait pas de lac là où j'habitais.
Ah. Bah, trompe juste tes pattes alors. Oh, ça va. C'est pas désagréable en température. Surtout qu'en plus, avec le soleil constant, l'eau elle a bien chauffé. De ta 38, s'il te plaît. Allez, je me laisse glisser dans l'eau. Le jet d'athlétisme en lourdeau. Non, mais il n'y a pas de jet d'athlétisme, arrêtez. Mais ah bon, on veut faire des jets. C'est pas grave. Blouf. Il se laisse tomber d'une manière extrêmement peu élégante. Blaf. Aïe. Quoi, aïe, on touche pas le fond, je pense. Hein. Non, pas du tout, non. Non, mais quand tu te laisses tomber n'importe comment, tu fais un plat. Ça fait mal. Ah, j'ai. C'est mérité. Je savais pas que l'eau pouvait faire mal. Ah. Voilà, j'ai trouvé exactement comment c'est mérité. Il plonge. Oui. Avec la grâce d'une enclume. Pour un forgeron. Forgeron en plus. Oui, justement. Blam. Ah, c'est bizarre. Blah. Et puis l'eau, elle est salée. Eh. Pourquoi elle est salée, l'eau? Du coup, j'ai essayé de boire et c'est dégueulasse. C'est pas comme l'eau des lacs. Maintenant, si je pourrais faire ça. Il va dessaler l'eau, tu vois. Non. Elle est en train de comment dire. Pas de triturer, mais de jouer un peu avec un de ses cristaux. Avec son amulette. J'éclabousse Fizzle. T'en viens ? Oui, j'ai. Oui, j'arrive. Du coup, elle pose, du coup, elle vire sa cape et la fout sur. Elle l'accroche sur un des. Sur une des planches, elle met son sac histoire de bien la tenir. Et que ça tombe pas à l'eau. Et puis. De toute façon, je prends en compte que vous posez vos affaires hein, quand même. Mmh. Oui. À poil. C'est ça. Pip plouf. Ça va, elle est bonne. Allez. Oui, je pense. C'est particulier quand même, nager. Moi, j'aime bien. C'est pas désagréable, mais c'est bizarre. C'est vrai, vous faites pas attaquer par des poissons. Ah si, on va mourir. Ah. Fizzle reste quand même accrochée à l'échelle. Enfin, elle reste assez proche de l'échelle. Je vais la chercher. Et je la chope par la queue. Allez. Tu vois qu'elle est pas vraiment à l'aise. Je relâche ta queue. Tu nages avec moi et je lui tends une patte. Ouais, allez. Elle y attrape la patte. Et ben, je vais nager avec elle, à trois pattes. Parce que nous, on sait nager, nous. Elle galère. Il y a un kraken qui vous attaque. Ah! Il est moche. Ah oui, il est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait une morve. On dirait un sac d'ordures. Ah, tu vois, un kraken en JPEG. Ah, il est vilain.
C'est un nom pour Miss. Et ouais, tu vois que Fizel, elle est pas très rassurée. Pas rassurée. Tu as peur? Ouais, j'ai. On m'a pas trop appris. Je connais quelques trucs, mais j'ai pas nagé depuis très très longtemps. Mais tu te débrouilles très bien. Vraiment? Oui. Après avoir prudemment tout préparé, ben le vieux aussi, il ira dans l'eau. Je garde quand même un œil sur les affaires, voir si quelqu'un s'en approche. Et là, il y a Dahlia qui arrive et qui vole tout. Forcément. Qui d'autre? Vous allez faire trempette comme ça pendant un bon moment. Le moment est agréable. Enfin, c'était un petit moment agréable. En plus, justement, avec cette forte chaleur en ce moment, c'est appréciable. Ouais. Pourquoi tu fais un cœur, toi? C'était pas un cœur. On aurait dit. Je sais. Viens là, Silver. Je t'attrape quoi? Dans mon cœur. Non. 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 Salaud. Salaud. Ça va? Papé? Oui, elle est froide. Mais quoi, elle est froide? Ah, elle est plutôt bonne, te dis-je. Non. Eh ben, je l'éclabousse. Yeah. Oh, non. Mais pourquoi je t'éclabousse aussi? Non. Si. Et j'ai pas dit non, j'ai fait non. Je m'en fous. Eh ben, puisque c'est comme ça... Je plonge. Blah. Silver, il fait l'éclaboussure. Et du coup... Fait le bœuf. Et du coup, Fizzle se prend tout dans la face parce que j'ai plongé. Je vais attendre. Mon heure viendra. Tu ne peux pas rester sous l'eau tout le temps. Ah, je vais lui passer entre les jambes, il va rien comprendre. Oh, oui. Mais pas dans ce sens-là. Ah. Arrêtez les gens. Arrêtez d'être pervers. Ça, c'est quand, fils? Mais... De quoi? Quand elle s'est pris l'eau sur la gueule. Quand elle s'est pris l'eau sur la gueule. Mais... Donc... Je vais ressortir derrière pour lui grimper sur le dos. Yeah! Ah là, je lui demande un jet d'agilité quand même pour de. Pour qui? Pour moi? Pour nager. Ouais. Merde. En fait, toi, school. Ah merde, pardon. Vous allez me tuer! Maintenant. Je vais me noyer. Ah, ça va. T'as le moins 2 avec, n'oublie pas. Tu es lourdeau. Mais pas dans l'eau. C'est pas Attends, c'est agilité? Non, c'est athlétisme. Non, c'est athlétisme. Oui, c'est athlétisme et discrétion, donc ça va, agilité. Non, mais c'est de l'athlétisme pour nager. Ah! Mais tu as dit agilité? Non, il a dit athlétisme. Oh putain, mais il faut que je me nettoie les oreilles. Oui. Et le cul! Non, ça, je me le lave. Non, c'est un blablabla. Ouais, je suis pas si grosse. Oui, mais je dois peser moins lourd que ces enclumes, s'il te plaît. Oui, mais, mais on est dans l'eau. On nage. On n'est pas sur terre. Eh ben, j'essaie de lui maintenir la tête hors de l'eau. J'essaie de lui maintenir la tête hors de l'eau, donc fais un jet d'athlétisme pour l'aider. Mais j'ai fait un 7.
Ouais, bah tu refais. Parce que je t'ai pas dit de faire le jet. Je peux essayer de les aider avec de la magie, pas ok. Bande de gomme. Ça va, elle te garde la tête hors de l'eau. Mais t'es en mode. Au secours. Mais ça juste ça. Mais ça va pas, non. Yiha, j'ai dit. Je peux l'aider. Mais ça va pas. Attends, du coup, Sylva est en train de galérer à rester au-dessus de l'eau, c'est ça? Oui, mais c'est bon, il est bien maintenu par. Là, ça va, mais. Par ce coup-là. Là, ça va, mais. Ça suffit! J'allais dire, Fizzle fait la planche, mais je sais pas si ça marche aussi pour les chevaux. Bon, on s'en fout. Ta gueule, c'est magique. Voilà. Ouais, elle fait l'équivalent de la planche. Bref. Comme dit, vous passez un certain moment dans l'eau, vous me dites combien de temps, puis au bout d'un moment, vous allez quand même ressortir, je suppose. Oui. Petite heure dans l'eau. Ah, c'est pas agréable la l'eau salée quand même. Oh. Quelle idée de verser la salière. Alors. Et la fille de mettre des lunettes en disant oui, mais c'est dû à l'érosion de la roche, gagneux. Non, on dira juste que c'est naturel, que c'est pas quelqu'un qui a versé du sel dans l'eau. Après, elle expliquera peut-être un poil plus. Un poil plus, mais. Moi, on va pas y rester non plus 3 heures, mais. Ouais. Ça va être remis de. Du mode sous-marin, Silver, il va pas. Il va apprécier quand même. Mm-hmm. Après, Fizzle, je fais quand même. Enfin, surveille quand même aussi les affaires. Ensuite, elle remonte. Une petite heure. Et on s'ébroue comme des chiens. C'est ça. Et le poil qui frise. Wouah ! Allez, monsieur Wood, il faut sortir de l'eau maintenant. Le vieux est mort. Me ouais. Donne pas d'or, mon papé. Merde. Yes. C'est bon. C'était pas un ordre, c'était un conseil. Attends, j'ai une hypothèse. J'ai fait une hydrocution. Une hydrocution. Tu crois même que c'est possible de se sécher avec de la magie? Bah oui, forcément. En soi, franchement, avec le soleil qu'il y a, comme dit, tu t'ébroues, ça sèche en 2 minutes. Okay. Moi, je m'essore quand même la tresse. Moi, je m'essore les crins. Parce ça met du temps à sécher, les crins. Exactement. Enfin, encore une fois, quand un gros soleil, une bonne chaleur... Ah, ça, oui, mais mes crins sont super épais, donc... ça met quand même du temps. En plus, bon, là, il y a le zénith. C'est le zénith depuis plusieurs jours. À la fin. Bah après, on se mettra en route. Hein. Ouais. Non, non, non. Alors, où aller? Bah... Je sais pas. On n'avait pas dit qu'on devait rejoindre Titan's Peak, enfin qu'on devait aller à Titan's Peak pour démarrer l'autre enquête. Oui, c'est on avait parlé de ça. Si, si. Du coup,
Et du coup, Fizzle va commenter sur les trucs que t'as achetés. Mmh. Disant qu'ils sont jolis. Eh ben, la boutique est là-bas, si tu veux. Je pourrais t'apprendre à te coiffer parce que c'est pas ça. Hein. Mmh. Ça ira. T'es sûr? Mmh. Moi, ça me dérange pas de t'apprendre, hein. Peut-être plus tard. D'accord. Et quant à la boutique, bon, j'ai pas. J'ai pas vraiment de quoi me payer grand chose actuellement. Tant qu'on n'a pas reçu notre paye. Bah, je t'avance si tu veux, Fizzle. Non, pas la peine. Vous en faites pas. Comme tu veux. On repassera bien par ici à un moment ou à un autre. Tracez votre route, messieurs, dames. Notre route. Je pense que nous repartirons à Liminon. Pour aller ensuite à Titan's Peak, je sais pas exactement où est le village, mais on ira à peu près. Et... ouais, voilà. Titan's Peak, Gravelta. Après, je sais pas pourquoi on devait repasser par Canterlot. Je sais plus. Ah, peut-être pour dire à la garde qu'on a terminé cette affaire, non? Il me semble que c'était ça. Oui, je crois. Ou ouais. Pour récupérer Silice, peut-être. Ah oui, aussi. Pour récupérer Silice. Vous prendrez route du coup au moins jusqu'à Liminon où le temps commencera à s'assombrir un petit peu, mais rien de bien méchant, juste couvert. Qu'est-ce que ça pleuve pas mal, mais ça fait pas non plus d'orage. En tout cas, c'est rafraîchissant. Ah oui, ça veut dire que la princesse est là. C'est vrai que la dernière fois qu'il a plu, c'était la princesse Luna qui avait causé la pluie. La météo bouge aussi. Hein. Sinon, c'est assez calme jusqu'à Liminon. Vous comptez y faire quelque chose ou juste faire escale pour la nuit et repartir? Juste escale, on récupère peut-être un poil de bouffe. Oui. Assez de bouffe pour le voyage jusqu'à Titan's Peak. Il faudra pas refaire les teintures bientôt quand on compte tout le trajet qu'on a fait. Pas sûr, je sais pas. Si, j'étais en train de me tâter justement, je sais pas à combien on en est là. Ça a commencé quand le JDR? 9 mars. Le 4 mars, pardon. Ah donc ça va faire un mois. Ça fait comment seulement ça un mois. Ah, techniquement ça tient un mois. Si je demanderais juste un truc à Liminon, à la taverne, je demanderais si il y a des choses qu'on devrait savoir pour le voyage vers Titan's Peak. S'il y a des trucs sur lesquels on devrait être mis au courant dans les montagnes ou des choses dans le genre. Déjà. C'est un petit instinct. Je dois mettre le journal aussi à jour. Le journal aussi. Oui. Et le journal. Je mets deux paragraphes parce qu'il y en a un petit. Et pour répondre à ta question, Titan's Peak, on t'expliquera que c'est une petite ville. Un petit village tranquille dans les montagnes. Il n'y a pas grand chose à savoir, si ce n'est que c'est. Qu'il y a. Attends, je regarde déjà ce que j'ai comme token, mais techniquement, c'est censé être des. Une ville très terrestre. Mais il y a un petit peu de tout en soi.
Ok. Il y a des trucs qu'on devrait savoir enfin sur le trajet. Juste pour finir sur la teinture, parce que je me souviens que j'en avais acheté une deuxième pour moi, donc je l'aurais faite sur moi. Voilà. Ok. Et sinon, sur le trajet aux auberges en général, quand on en a, je parle à tout le monde de la Luz de la Muerte. Je t'aide un petit peu, mais de manière peut-être plus handicapante qu'autre chose. Oui, franchement, je vous dis, c'est trop bien. Ça marche bien. Comme je vois, elle était au milieu du combat et hop, aucun coup. Silver, s'il est dans les coins, il va rouler des yeux et faire oui. Enfin, j'étais là aussi, surtout. Mais non, mais qu'est-ce qu'on leur a mis? Vous avez vu ce qu'on leur a mis? Oh, meilleure phrase. Je m'attendais pas à ce que ça fasse au coin. Pour le coup, je te demande pas de jet pour le moment parce que. Mais tu en parles, je prends en compte. Donne ok. Et. Pouvoir passer aux prochaines journées. Le voyage. Combien de jours jusqu'à Titan's Peak? À peu près 3 jours. Alors, voyons ça. Encore très calme. Oui. Pardon. Rien, monsieur Quartz. Pardon. Ouais, j'ose pas lire. Ah bah si, faut lire. Allez. Énervons-nous. Surtout ce dernier passage. N'est-ce pas? Est-ce que ça parle aussi de Titan's Peak? Non. Non, d'accord. J'ai même pas fait gaffe à ça. Pourquoi ça parle de Poel? Ne pète pas l'innocent! D'accord, ouais. Tueur de la part du MJ. Je suis curieux. Yes. Du coup, tout le reste du voyage vers Titan's Peak se passe tranquillement. J'avais dit 3 jours. Attends donc. 1, 2, 3. Du coup, donc, je rajoute 3 paragraphes. On était où? 1er janvier. Vas-y. Montre d'où le drame. Attends, je regarde juste. Il est en train de le modifier au dernier moment. Alors sur le tableau, nous avons encore tiré, princesse. Non, il a dit qu'il se passait rien. Ouais, pendant les 3 jours. Dans les 3 jours, on est
posé. Et on arrive à Titan Speak, elle, 5 avril. Juste après, tu me diras quand tu auras lu Goldan. Mm-hmm. Attends, il faut que je lise. Voilà, j'ai lu. Ok. Eh bien, après leur lecture du soir, Skoula viendra te voir. Enfin, ouais. Viendra voir Wood. Papé ? Oui. Si jamais à tout hasard, si jamais à tout hasard, Karing a écrit sur le mois de juillet, tu pourras ne pas lire. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là qu'il est venu à la Cité del Sol, donc il peut te raconter. Ah oui. Fais-moi un jet de persuasion. Y a-t-il des choses que ce coup-là ne voudrait pas qu'ils se répandent ? Oh non, je vois pas ce qu'il vous fait dire ça. Hein. Oh ! Elle est énervée. Légitime. Oh, j'ai fait 12 avec mes dés. Non. En soi, techniquement, je vous laisse agir comme vous le sentez, j'ai ou pas, mais... Oh, naïf, il va dire, ah oui, ok. Oh, quel dommage. D'accord. Alors... Il va peut-être oublier entre-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup ? Eh ben, il est venu avec ses amis et puis on lui a fait connaître notre culture, on a dansé et tout ça, et après il est reparti. Bah c'est tout ? Oui. Bah du coup, j'aurais pas son avis, je pourrais regarder. Non ? Mais pourquoi ? Parce que... il a peut-être écrit que... Elle se gratte le derrière de la jamais tête, un gros. Là. Hein? Il a peut-être écrit que tu avais un gros coup. Peut-être. Bien, c'est le joueur qui parle. Hein. Oui. Non, mais en fait, il a peut-être écrit que son ami. Comment il s'appelle déjà? Tenderwill. Tenderwill, il a fait des trucs avec ma soeur et c'est très gênant. Que vous lisiez. C'est-à-dire? Mmh. Bon. Bah, ils ont fait des trucs, quoi. Mais encore ? Tu sais, j'ai 72 ans, j'en ai vu des trucs, hein. Tu peux... J'en ai fait des choses. Ouais, mais vous comprenez, c'est ma sœur et ça m'embête que vous lisiez ça. Mais pourquoi il aurait été écrire des trucs sur ce que son ami a fait avec votre sœur ? C'est leur vie privée. Bah, je sais pas, peut-être qu'il l'a dit et puis qu'il a trouvé important de le noter. Il parle bien de... Non, c'est pas son genre. Bah, il parle bien de ses autres amis, là. Le plot ficket. Mais non, il parle pas de ce genre de choses. Bah, écoutez, il parle bien que Amber était peut-être enceinte. Il parle de son... du gars, là. Comment il s'appelle ? Monsieur Quartz. Oui, mais si Monsieur Quartz est allé... faire des choses avec quelqu'un, je pense pas qu'il est allé l'espionner. Elle lui fait les yeux doux, s'il vous plaît. Ou alors laissez-moi lire avant, comme ça. Ok, ben, pas de soucis, d'accord. Merci. Mais je lirai quand même après. Oui. Elle va manger la page. Non, sinon elle t'empêche de lire, tu pourras plus lire rien du tout. Là. Oh là là, j'ai perdu le journal. Oh là là, j'ai perdu la page moustelleuse. On rigole, mais ça lui briserait le cœur. Oui, non, mais pas dire ça. Oh les bébés. Ah bah... Il n'y a pas de page. Elle va mettre la page. Et quelle page? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre sur Amber? Oh, tu savais pas. Ah, tu savais pas. Ah, tu savais pas. Ça veut dire pourquoi tu as un bout de page au coin des lèvres? Non. En tant que joueur,
En tant que joueur, j'ai tellement envie de lire ce satané journal. Mais bah, moi t'as aussi. Qu'à demander. Fizel, elle a aucun intérêt à le demander. Silver, il est curieux, mais pas à ce point. Ah bah vous êtes nul aussi, vous plaignez pas. Bah oui, j'ai rien demandé. Belle répartie, Gaz. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé à Titan Speak dans l'après-midi. Techniquement, le dernier paragraphe que je vous ai donné, ça sera dans cette soirée-là. Mm-hmm. Mais pour l'instant, vous êtes arrivé vraiment au milieu d'après-midi à Titan Speak. Ah. Où est-ce qu'on arrive ? À gauche, à droite, d'en bas. Ça va être minuscule. Ah non, il est plus souvent. Mmh. Je vais arriver dans la pièce en mode renverser les maisons. Salut, c'est nous. Pour l'instant, c'est un petit village assez calme. Il y a pas beaucoup d'activité. Mmh. Ok. Ok, vu que c'est des montagnes, je peux vous faire dépenser plus de temps, donc vous arriverez le soir. Ouais. Enfin, le soir. Est-ce qu'il y a encore un soir? Ouais, pas le, entre guillemets, soir. Bon, alors, une map de taverne. Aaron, pour chaque map de ville, il va falloir que tu trouves une map de taverne. Ou alors tu fais comme moi, tu la retournes sur l'horizontale ou la verticale. C'est ce que je fais aussi. C'est quoi, je crois que c'est ce que je vais faire avec une taverne. Commence à en avoir à le cul de chercher. Chiant. Pourtant, les maps de taverne, c'est ce qu'on trouve le plus. Hein. Oui, mais ça me saoule d'en applaudir en fait. Bon, moi, je comprends. Ah bah tiens, celle-là, on va pas la voir souvent, donc mettre. Ouais, ça a pas voulu la mettre. Yo-yo. Yo. Pardon. Yo. Excusez-moi. Non, ça marche pas. Ah bah oui. Non. T'es où ça la map? Voilà, comme ça, ça marche. On voit rien. On passe des choses, mais nous ne les voyons pas. Carte. Voilà. Oh non. Ah, je reconnais. Mais ah, je pardon. Reconnais. Tu reconnais toi. Bah, on n'y est pas passé à celle-là. Non. Regarde, elle est pas dans le même sens. Là, je connais pas cet endroit. Du coup, ça me stresse de la voir dans un autre sens. Ouais, moi aussi. Non, mais laisse-la dans le sens. On est en train de tomber, On est où? Il n'y a pas nos pions. De là-bas, j'imagine. Ah, déjà bourré dans la charrette. Elle est où l'entrée? Elle est là. Elle est en bas. Elle est là. Elle est en bas l'entrée. Là. En bas. Ta-ta-ta-ta. Là. Mais. Arrêtez, monsieur. Putain, j'ai cru qu'elle avait un post-it sur le cou, de loin. Qui ça? Merde, je l'ai posé deux fois. Ça fait ça, elle. Là. Mais... Elle me dit quelque chose, celui-là. Pourquoi ça fait ça? Attendez. C'est pas Ruby Berry?
Non, c'est sa descendante. Oh, toujours pas, non. T'as posté le même PNJ deux fois. Encore ? Des jumeaux. Oh putain de merde. Mais alors, Ruru ? C'est laquelle que j'ai pas posté ? Celle-là. Ah, c'est... Voilà, tout le village est ici. Ah d'accord. Yes. Non, pas à ce point-là, mais... Elle est trop belle, elle. Elle me fait penser à Megara. Qui Megara ? C'est la meuf dans Hercule. Ah ouais, ouais, maintenant que tu le dis. Du coup, tant qu'à faire, je vais aller aux toilettes, Vitef. D'accord. Oui. Je tiens la porte au... Oh, quel emmerdeur. Tu sais, elle... t'as une lose. Tu sais, quand il ouvre la porte, tu sais, il y a tant de chargements. Tu sais, t'as Wood qui arrive, qui te prend la poignée, et qui commence à l'ouvrir, et qui fait tant de chargements. Le temps de charger tous les PNJ. Bon, alors, compteur de toilette pour Rennes. T'as un. On va voir est-ce qu'il va battre le record de la question précédente. Je veux bien un verre, s'il te plaît. Hein ? Je pense que je mangerai après le JTR. Il nourrit les chats, excusez-nous. Nous avons des enfants que nous devons nourrir. Et là, en fait, il faudrait une musique d'ascenseur en mode « Veuillez patienter ». Musique d'ascenseur, je suis une musique d'ascenseur. Voilà, suffisait de demander. Et mon verre ? Mais... Allez, t'auras un bleu. Tu m'en as déjà fait un bleu. Tu m'as donné une fessée, j'ai un bleu sur le cul. Alors vas-y. Bah oui, c'est ce que je fais, je raconte ma life. Bah, voilà. Je suis sûre que ça manque aux gens, les anecdotes, en plus. Du coup, bah, vous pouvez rentrer. Bon, bah, je vais rentrer, hein. Hola ! Bonjour, voyageur. Vas-y, Fizzle. Monsieur Wood. Ah, bonjour. Bonjour. Allez, monsieur Wood. Entrez. Non, tu rentres. Je tiens salut, moi c'est Starman. Non. Tu rentres. Rentrez, monsieur Wood. Non, je tiens la porte. Oh, les relous. Rentrez. Oh, elle est d'aplomb quand vous venez. Pas très gentil. Comment ça, elle plouk ? Allez, rentre. Ah oui, tiens la porte. Comment voilà. Ça, plouk ? Je suis pas un plouk. Mais c'était juste pour que tu rentres. Ah. Aïe, ah bon. Aïe, aïe. Buenos mios. Esta siempre. Vous avez un salut de la tête de la part de la table ici, un bonjour chaleureux ici, et un gros coucou de la part de celle-là. Ah bon ? Oui, oui. Elle nous connaît ? Plus du tout. D'accord. Qui celle-là ? La descendante de Ruby. Bad Pony. Moi, je m'assieds. Oh, j'avais besoin de marcher. Oh, mes jambes. Tac. Bah, du coup. Hola ! Moi, c'est Skoulamor. Non, parce que ma glace est pas assez glacée, donc du coup je la remets dans le congèle. D'accord. Hein ? C'était la vie du jeu. Ouais, ouais, ouais. Ferme bien ce congèle, si tu veux. Le chat dans le congèle ? Quoi ? Mais ça va pas, non ? C'est pas ça le fermer à clé. Il a dit le chat dans le congèle. Oh non ! Ouais ? Non, mais il faut pas le dire à la caméra. Ah oui, non.
On les met 5 minutes au frais. FBI. On les met 5 minutes au frais avant d'aller se coucher pour être tranquille. Du coup, non, elle fait pas un gros coucou, mais elle vous fait un coucou quand même assez. Bah, elle lui dit bonjour. Bonjour. Hola. Hey, Bonjour. On a pas mal de visiteurs en ce moment. Qu'est-ce que je peux vous servir? Eh ben, les plats du jour pour tout le monde, s'il vous plaît. Très bien. Je vais vous préparer ça du coup. Cidre, très bien. Bon, du coup, elle vous prépare, vous demandez. Elle vous fait déjà le devis, vous dit ça sera temps, etc. Vous pourrez payer sans problème, et elle vous prépare ça bah, devant vous. Mais pousse-toi! Oh! Pardon. Ah, regarde comment elle prépare ça. La Bat Pony qui voit qu'il y a un petit fruit qui commence à dépasser, elle essaye de le choper, mais elle se prend une petite tape sur le sabot. Je... Pas touche, on demande. Ah, et puis c'est pour les plats que je prépare. Pour en avoir un, oui. Mais après. Donc elle vous prépare le tout du coup et vous sert vos assiettes devant vous. Hop là. Et voilà. Et elle donne ensuite le fruit à la Bat Pony. Merci. Et qui croque dedans et... Je sais pas si ça s'est entendu. Oui, ça s'est entendu. Et du coup, elle va se poser... Poser là avec son plat et elle va manger. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, voyageur? Clique de l'avancement dans ta quête. Bonjour, voyageur. Deux secondes, je relis le dossier. Ok. On vient inquiéter sur cette disparition qu'il y a eu il y a... Je regarde là la date. Il y a quelques mois. Oui, monsieur. Ah, il est là. Oui, non, j'étais en train de regarder. Paris. Ah, d'accord. Si je peux aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Elle a l'air comment quand on lui annonce ça? Quand je lui annonce? Plutôt calme, posé, normal. Okay. Et vraiment serviable. Du coup, est-ce que vous auriez des informations sur une petite licorne femelle dont les parents auraient été tués en même temps? Ah, on a simplement entendu parler de cette histoire de meurtre. Mais concernant la... une petite licorne, disons qu'il y en a que quelques-uns qui, dans le village, qui, je crois, ont mentionné qu'il y avait une petite fille qui a disparu, mais... Ah. Mais en soi, on sait juste que cette famille ne sortait que très peu. Et ne s'était pas vraiment familiarisé avec tout le monde. Presque personne, même. Voire personne. Ils étaient très casaniers. Et il y avait vraiment personne qui les connaissait? Non. Juste de loin, vite fait.
Même pas leurs voisins? Ah bah vous savez, les voisins, c'est... Ça peut être parfois abstrait. Un voisin de 500 mètres, un voisin de 800 mètres... Oui, effectivement. C'est toutes les maisons sont pas aussi proches que dans le bourg. Mais non, ils avaient une petite maison assez éloignée. Loin de tout le monde, et de temps en temps, ils passaient juste faire leurs courses pour quelques provisions, et c'est tout. D'accord. Et au moment de leur disparition, il n'y a pas eu d'arrivant un peu suspect? Bien... Réfléchir un peu. Merde, putain de couilles. Bien, je n'en ai pas souvenir. Vous avez dit qu'il y avait certaines personnes qui avaient mentionné les disparitions. Est-ce qu'on pourrait avoir leur... Est-ce qu'on pourrait savoir qui c'est? Histoire qu'on puisse aller leur poser des questions. Oui, bien sûr. C'est... Il s'agit de Dream Sweeper. Elle est assise à la table là-bas. Ah, oui. C'est bien. Laquelle j'ai pas vu, désolé, j'étais zoomé sur elle. Désolé sur elle. Ouais. Ok. Attendez, on enquête sur qui là? Sur Orchid? Ouais, sur Orchid Barding. Okay. Création du dossier 5 janvier 110. Je vous demande un petit jet de perception. La perception. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va voir le monde et l'univers? Je vois un 4. Pourquoi j'étais 4 plus 2? T'as pas vigilant? Ah, bah. Je crois que je vois. Fizzle voit l'univers. Fizzle, oh, elle voit l'univers. Fizzle est en mode teach me. C'est con parce que j'avais pas énormément de descriptions supplémentaires, donc en fait c'est surtout que la Bat Pony, en fait à côté, elle regarde un petit peu partout durant votre conversation, mais tend quand même un peu l'oreille vers vous, genre elle vous écoute, mais elle regarde ailleurs. Ouais, fait style qu'elle écoute pas quoi. Ouais. J'écoute pas, la et la la. Je la regarder. Et toi, tu sais quelque chose? Elle se retourne la tête avec sa mangue dans la bouche, là. Ouais, on voit bien que tu nous écoutes. Hein. Elle ouvre juste un peu la bouche pour faire tomber la mangue dans sa patte. Non, j'écoute pas. Bah si. Si. Alors, qu'est-ce que tu sais? Je sais... Non, je sais rien, je viens à peine d'arriver ici. Oui, qu'est-ce que tu sais? Mais je sais rien. Alors pourquoi t'écoutes? J'écoute pas, j'écoute. Elle est peut-être juste curieuse. J'écoute pas. J'écoute pas, j'entends la conversation. Mais alors pourquoi tu fais hier que t'écoutes pas alors que t'écoutes? Parce que on m'a toujours dit que c'était pas poli d'écouter les conversations, alors je fais comme si j'écoutais pas. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Il va t'apprendre à être discrète, moi. Ah ben, je veux bien. Eh ben, déjà, tu tournes pas les oreilles vers nous. Et tu regardes pas ailleurs, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau là! Oh, dis donc, quelle belle rayure sur ce bois! C'est trop flag! Ah! elle touche un peu ses oreilles quand même. Ah oui, trahie par Maître les oreilles. Corbeau, son arbre perché. Honnête en son par les bec. Oreilles, c'est une bonne idée. Ça, un fromage. Mais pourquoi il fait un poème lui? Du baragouine. Et. Vous enquêtez souvent sur des disparitions comme ça? Oui. Techniquement, c'est la deuxième. C'est un peu notre nouveau métier, pourquoi? Ah non, pour savoir, c'est comme ça. Tu recherches quelqu'un? Ah non, non. Non, je recherche personne. C'est tu as enlevé quelqu'un?
Non, je vais enlever personne. T'es sourd. Mais ce coup-là, du calme. Attends, je fais un petit sort. Mais ce coup-là, du calme. Lui envoie pas un sort de terreur. Mais non. Empathie. C'est contre son âme, c'est ça? Je crois. L'âme. Putain, j'ai pas fait. Vite, la bonne fiche. La bonne fiche. Agressez-la. J'ai gagné. J'ai gagné. Ouais, bah, vu qu'elle a pas de fiche, elle fait automatiquement 0. Ok, tu vas ressentir du coup ce coup-là de la du mal-être. Enfin, elle est mal à l'aise du coup. Elle est un peu mal à l'aise du coup face à vous. Pourquoi t'es mal à l'aise? T'en caches quelque chose? Je suis pas mal à l'aise, non? C'est, toi es mal à l'aise, il y a les seins. Mais tu as vu l'interrogatoire que tu lui fais, moi aussi je serais mal à l'aise. Chut! C'est intimidante, madame, avec la tête de mort! C'est pas une tête de mort! Ah! Vas-y, je me colle mon museau au sien. C'est le masque de la lose de la muerte. Mais je suis pas menaçante, oula, Silver, calme-toi. Hein. Mais oui, mais il faut jouer le bon flic, mauvais flic. En mode. Calme-toi à ce coup-là. Bon, tu yes, we calm! Tu ferais mieux de me dire ce que tu sais parce qu'elle a pas l'air commode aujourd'hui. Mais je sais. On devrait peut-être lui donner à manger après avant qu'elle mange. Je sais rien! La pauvre! Les autres, là, les quatre autres, je suis sûr, ils sont complètement tournés vers nous. Ah, totalement, oui. J'essaie de calmer le jeu. Et la tavernière, écoutez, mais vous voyez bien qu'elle sait rien, enfin laissez-la tranquille. Hey. Calmez-vous tout le monde. Je retourne m'asseoir. Je sais rien, je viens à peine d'arriver. Mais alors pourquoi toi es mal à l'aise? Mais calme-toi. Parce que vous êtes intimidante, madame. Mais je suis gentille. Mais alors, ce coup-là, si je puis me permettre. Quoi? Tu donnes. Mon perso il va reculer d'un pas quand même. Il va faire. Non mais ce coup-là, là franchement, soyons sérieux. Là t'es pas, tu donnes pas l'impression d'être gentille. Mais tu fais peur. Mais je suis gentille. Oui mais là tu fais peur. Mais c'est toi qui fais peur, tu fais 3 mètres de haut. Mais non. 2,80 mètres plus exactement. C'est pas vrai, je fais pas peur. Bon bref, tu connais la lose de la muerte? Ça? La lose de la muerte. Alors attends, je vais t'expliquer. Mon perso va faire un va se faire un facepalm, voilà. Clac. Avec un et c'est reparti. Et du coup, je fais mon baragouin habituel. Ah shit, here we go again. Je lui donne un bonus. Assez fort pour que tout le monde entende. Hein. Tout le monde soit au courant. Et d'ailleurs, attends, juste avant, à un moment, je vais grimper sur le tabouret pour mettre un peu plus d'ambiance, tu vois. Et là, il lui a dit, ta mère en strix, un champ de bataille. Je vous demanderai de rester assis sur le tabouret, c'est pour les fesses, pas pour les sabots, madame. Vous voyez bien qu'elle prend pas tant de place que ça, même debout. c'est à la taille de quelqu'un. Tant qu'ils sont encore un peu concentrés sur nous, là, le groupe de 4. Fizzle va prendre son assiette et va se diriger vers nous. Elle va prendre une... Elle va s'approcher d'eux. Je peux m'asseoir? Ouais. Je vais terminer un petit peu avec Loupi le temps d'eux. Juste. Je vais te demander un jet de performance du coup, parce que tu vas plus ou moins chauffer la salle pour vu ta description. Est-ce que je pensais un plus? En tout cas, les autres écoutent un petit peu, mais après se concentrent assez rapidement sur Fizzle qui arrive. Quant à la petite Bad Pony, en fait, elle te regarde un petit peu avec des étoiles dans les yeux. Oh une de plus. Ah, c'est pas vrai. Ah,
On a vraiment, elle s'est vraiment débarrassée de tout un tas d'ombres pour libérer un village. Ouais. Ah bah oui, pareil. Oh. N'est-ce pas? Mais c'est trop bien. C'est pour ça que je la respecte et que je la prie. Elle me protège des ombres. Oh. N'est-ce pas, Wood? Ouais. C'est incroyable de... Et je vais aller vers Fizzle du coup maintenant, le temps 2. Oui. Mmh. Donc, je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Ils font de la place. Merci. Prends une chaise. Comme vous avez sûrement dû l'entendre, on est en train de travailler sur une disparition et vu que vous écoutiez, je me suis demandé est-ce que vous aviez des informations. C'est donc du coup la terrestre ici. J'ai que des gonzesses en fait. Je viens de rendre. Ouais. Bien. Tout ce qu'on a, enfin, on n'a pas vraiment d'informations, c'est juste que on a retrouvé un couple mort dans leur maison et on n'a pas retrouvé l'enfant. J'ai jugé bon personnellement de justifier cette disparition à la garde. Et ça s'arrête là. D'accord. Vous saviez si. Enfin, ils. Donc. Vous pensez que le couple il vivait avec une enfant. Enfin. Comment je peux le dire, putain. Purée. Oui, je suppose que s'ils ont un nom. Je suis bête. Je suppose que s'ils ont un nom, c'est qu'il y avait la gamine. D'accord. Et. Il n'y avait pas de trace de la petite, vous êtes sûr? Non. Est-ce que... Est-ce que demain, ça vous dérangeait de nous amener sur les lieux où ça... Sur les lieux. Je sais pas parler ce soir. Alors, bah écoutez, oui, pourquoi pas. Si ça existe encore. Oui, la maison est toujours là. Merci. Ah bon, je sais pas ce que vous trouverez de plus parce que les gardes eux-mêmes n'ont rien trouvé. On verra. Je suppose qu'il y a pas plus d'infos sur la mort des parents. Il y a quelqu'un qui leur en voulait. Oui, voilà, genre, est-ce qu'ils devaient de l'argent à quelqu'un? Est-ce que on sait rien du tout. Ils étaient très casaniers. D'accord. Qui plus est, ils avaient rejoint la ville il y a pas si longtemps. Et on ne sait pas d'où il venait. Vous n'êtes pas là, vous, de chute. Il n'y a que Fizzle qui est en train de faire la conversation. Est-ce qu'ils auraient pu arriver? Ils avaient... Enfin, je sais que ça fait pas mal de temps, mais... Ils étaient dans quel état quand ils étaient arrivés? Ça peut peut-être donner un indice ou... Alors là... Est-ce que ce serait possible d'avoir une description des parents? Ouais, ils avaient des couleurs du genre un petit peu que je me souviens parce que je les ai pas vus souvent, donc ils avaient plus dans des tons un peu jaune, vert.
Ah, pas leur nom, plus dans le jaune, plus dans le vert. Je crois qu'il y avait un citron comme leur fille en guise de cutie mark. C'est pas grave, on va pas aller chercher finalement. Ouais, ils sont morts pour des bonnes raisons. Voilà. Ils sont perdus et pas la peine de les retrouver. J'ai pas compris. Un citron en guise de cutie mark. Oh. Oh. Arrêtez avec les citrons au bout d'un moment quand même. Hein. Faute, c'est toi qui dis ça. Je fais une description normale. Vous dépassez. Mais t'en as fait exprès. Non, j'en ai pas fait exprès. Je te comprends, Ren, parce que moi, à un moment donné, je lui ai présenté un bébé, je l'ai appelé Lemon Stick, et elle était en train de rire, et moi, je comprenais pas pourquoi. Oups. Arrête, t'étais mort de rire aussi. Oui, quand je me suis rendu compte après. Parce que Lemon en anglais, ça veut dire citron. Oui, on sait, oui. Couché. Oui, couché, Loki. Donne la patte. Ils vont sur Google Trad, et ils sauront. Couché. On a tous été en sixième, hein. Ouais, bah et alors? Pardon. Tu vas te calmer, toi. Sauf les CM2. Eux, ils ont pas été. Mais ferme ta gueule! Bon. Pour reprendre la conversation. La conversation. Et je suppose que vous aviez aucune idée de ce qu'ils faisaient à l'intérieur de leur baraque, de leur maison. Bah, ils vivaient quoi. Genre ils avaient pas de travail, ils avaient rien. Parce que on nous a dit qu'ils sortaient de chez eux que pour faire leurs courses, mais ils devaient avoir un moyen de gagner de l'argent. Mais on n'en sait rien. Ils ont posé des questions, vous. Mais il faut bien se poser ces questions. Ouais, mais on vous dit qu'on sait rien et vous insistez. Vous savez, si je pense à voix haute. Et puis il faut. Puis peut-être que vous avez ces réponses d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Bah non, on sait rien. Tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que je sais. Tout ce qu'on sait tous d'ailleurs. Bon. Mais en tout cas, merci. Si vous par miracle, il vous revient un truc, il vous revient quelque chose, on sera encore ici pendant quelques temps. Pendant le temps de découvrir tout ça. Mmh. Et sinon, okay. Vous faites quoi ici? On mange. Et on boit. Mais dans... Bon. Mais dans le sens... Désolé, Ren, mais les mots me viennent pas ce soir. Dans le sens, c'est quoi votre travail? Enfin, où sont mes bonnes manières? J'ai complètement oublié de me présenter. Je suis vraiment désolé. Je suis trop absorbé par le travail. Juste du coup, il y a les deux qui ricanent un petit peu et l'autre qui hausse un sourcil. Mais vous enquêtez sur qui? Sur le gosse disparu ou sur nous? Le gosse disparu. Sur le gosse disparu. Bah alors pourquoi vous me demandez qu'est-ce que je fais dans la vie? En quoi ça vous intéresse? Ça peut être curiosité. Politesse. En tout cas, Désolé, les deux ricanent et ça pourrait peut-être te rappeler un petit peu les ricanements que tu as pu subir à l'école. C'est pas les mêmes, hein, mais ça pourra peut-être t'en rappeler un petit peu. Trauma. Elle va prendre une...
Hold deux secondes, une petite seconde, histoire de respirer, de respirer. Bon. Où sont mes manières? Je m'appelle Fizzle. Ok. Et vous? Et vous? Chime Sheld. Ah, voilà. Voilà. Chime Sheld. Alors, enchanté. Et vos compagnons? Ah, dit-elle en tournant la tête vers les 10 compagnons. Alors, donc, du coup, celle à ta droite se nomme Bubbler Scarf. Current Line. Et Tick Bloom. Mais non, ta sœur. Oui, c'est pas L majuscule. Mais enchanté. Ben, désolé de vous avoir embêté avec toutes mes questions. Je vais retourner avec mes compagnons de voyage. D'accord. Puis t'as Bubbler qui arrive. Oh, t'inquiète pas, elle paraît un peu méchante, mais elle est pas tant que ça. Ah. Je dirais de même. Je dirais de même pour ma compagnon. Ah oui, qu'est-ce que. Elle est assez marrante. Et là, c'est pas Golden et son problème avec les moustiques, là, c'est Lucky et son problème avec les moustiques. Ah, chais, j'en ai plus eu depuis quelques jours. Et du coup, je vais retourner vers le bar, mais du coup, okay. Le temps que je vais leur laisser terminer du coup leur scène. Ouais. Du coup, je sais plus où on en était. Ah oui, des étoiles dans les yeux. Oh. Oui, j'y suis plus, moi, les gars. Moi non plus. Fallait finir avant. En fait, j'avais eu une petite conversation comme ça, vite fait. Je dis, voilà, la loose de la muerte, elle a vraiment détruit oui, les ombres. Je disais qu'elle m'avait qu'elle me protégeait. Wood a dit, ah oui, machin. Voilà. Silver qui roule des yeux en mode... Et c'est parti pour un tour. Rien. Je crois en ce que je vois, moi, monsieur. Mais tu l'as pas vu. Elle s'est rien pris. Elle s'est rien pris parce que d'autres ont pris à sa place. Païen. Païen. Eh ben, j'ai hâte de voir tout ça à l'œuvre un jour. Ah oui. Vous croyez que je pourrais la voir? Oh, bah, peut-être, hein, mais moi, il n'y a jamais vous. Oh. Il faut déjà croire en elle. Et la peinture, c'est obligé? C'est pas la peinture, c'est de la teinture. La teinture. Et ben la teinture, c'est obligé? Bah, c'est mieux, oui. Ah. C'est joli. Encore, ce serait moche. Je comprendrais. Mais là, c'est joli. Ah, peut-être que je m'en ferai un jour.
D'accord. Cool. Bon, je vais voir ma copine là-bas. Bah justement, elle revient. Ah ben. Ça va ? Diesel. Lucky, tu es mute. Quel trou de balle. Pardon. Justement, je. Pardon. Justement, oui, je revenais. Ah, ben justement, je revenais. Et ça va, ça va. Je leur ai posé. Je posais quelques questions. Je posais quelques questions et. Et cette gentille jument nous a accepté de nous montrer la maison des parents. La maison de la famille. Et on pourra partir de là demain. D'accord. Et il n'y a pas des gens à qui on peut poser des questions, genre les gardes et tout ça? Elle se tourne... C'est un petit village où il n'y a pas énormément de gardes, il n'y a pas de caserne en tout cas. Niveau sécurité, c'est pas le plus ouf. En fait, de temps en temps, de ce que vous pouvez savoir de ce genre de village, c'est qu'il y a bien des gardes, mais ils font des petites rondes et ils sont genre deux ou trois... en général, et il se relaie de temps en temps. On pourra leur poser les questions demain. Oui. Une fois qu'on aura au moins inspecté les lieux Une fois qu'on aura inspecté les lieux. Ah, moi j'ai presque fini de manger. Bon. Je vais juste me rasseoir. Vas-y. Et moi, je vais leur parler de la loose de la muerte. Merde, mais je dis de la merde, attends, sur les noms. Chamichel, c'est pas elle. Elle, c'est Dream Sweeper, j'avais dit. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, aussi, c'est vrai. Oui, my bad. Putain, 9. Je suis un peu déconnectée, moi, je vous avoue, je suis désolée. Je suis pas au max ce soir, là. T'en fais pas. Moi non plus. Qu'on est tous à l'ouest. Ouais, un peu. C'est le tragédie. Non. Et donc du coup, tu t'approches du groupe de 4, de ce que je vois ce coup-là. Ouais, je vais leur parler de la loose de la muerte. Ah, non, mais on a entendu, madame. Campagne. Ah, vous avez entendu. Mais est-ce que vous l'avez vu? Oui, on a entendu votre petit numéro, madame. Qui a dit ça? Pourquoi? C'est la Dream Sweeper. Et elle rajoute en plus que c'est... C'est assez intéressant. C'est pas un numéro. C'est pas un spectacle. À tes souhaits. Oublie-moi. Enfin, madame, c'est une façon de parler. Ne vous mettez pas dans tous vos états. Ah, d'accord. Je suis calme. Jeanne. Désolé, c'est parce qu'il y a une espèce de connasse qui a dit qu'il était un illuminé une fois. Ah. Je vois, vous êtes plutôt sanguine. Non, non, je suis très calme. La veine qui palpite. Elle le dit ultra sérieusement en plus, tu sais. Petit ricanement, enfin pas ricanement, mais... Un petit pouffement. Voilà. Ouais. Ouais, calme, on a cru voir ça avec la petite batte pony en face, là. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, il n'y avait pas à demander son nom. Et c'est quoi ton nom? Ah, Ruby Berry. Moi, c'est Red Berry.
cuteness. Mais t'as combien de noms? Redberry cuteness. Tes parents, ils voulaient être triplés et ils ont eu toi. Ils étaient dessous. Tellement méchant. Fizzle. Quoi, Fizzle? C'est pas gentil. Là, Fizzle. Fizzle. C'est tout le monde qui est déphasé ce soir. Ouais, ouais, complètement. Non mais je le dis pas, c'était juste une réplique de film. D'accord. Mais Redberry, c'est en un seul mot. Et cuteness aussi. La meuf s'appelle Mignonne Bérouge. Et si tu lui avais dit ça, elle aurait été comme ça. Avec la larme à l'œil. Non mais je plaisante. Hein. Oui. Oui. Enfin, elle le dit pas, mais c'est juste que c'est trop drôle dans... C'est dans les Tuches 3. Bref. Mes parents, ils voulaient des triplés, ils ont été déçus. C'est ça. Et donc du coup la Dream Sweeper rajoutera... Bah... Après ça ne m'étonne pas que certaines personnes pensent que vous êtes une illuminée. C'est... Cette histoire peut être assez dure à avaler pour certains. Pardon. Il fait que... Enfin, je ne fais que... J'arrive pas à parler non plus. Étaler des faits. Que donner un point de vue plutôt neutre sur la question. Moi, j'en suis curieuse. J'attends d'en voir plus. Après tout, ce genre de choses dans d'autres mondes, ça ne me surprendrait pas. Eh bien, vous voyagez ou vous restez ici? Moi, je reste ici. D'accord. On reste tous généralement ici. On est bien ici. Eh ben, si jamais vous voyagez, venez à la Cité del Sol. Très pas. Bon, je vais vous laisser manger. Ouais. Bon appétit. Bon appétit. Pendant ce temps-là, Redberry a remis sa mangue dans sa bouche. Non. Et un peu compressée, un peu séchée, vu qu'elle a aspiré tout le jus. Mm-hmm. Et ensuite, elle croque un peu la chair. Elle est visiblement contente de bouffer sa mangue. Qu'est-ce que vous faites de plus, messieurs, dames? Je sais pas. Mais pour ce soir, rien. Enfin, pour le soir où on est à la taverne, là, on va pas pouvoir faire grand-chose de plus. On va attendre le lendemain pour aller visiter la maison, donc... Très bien. Donc, du coup, ça va être une nouvelle journée. On vous aura fourni des chambres, etc. Et c'est là que vous avez eu ce dernier paragraphe que je vous avais mis pour le bouquin. Et que t'aurais pu avoir la conversation justement avec le Vioc. Okay. Et les autres ont entendu parce qu'on est dans la même pièce, je suppose. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans ce journal? Des choses horribles. Mais un criminel. C'est toi qui le dis ou c'est Fizzle? C'est moi parce que Fizzle, elle aurait. Elle n'est pas curieuse. Elle aurait dit. En tout cas, votre fils, il a l'air d'avoir vécu pas mal de choses. Hein. Bah, quand même. Je me demande ce qu'il a pu marquer sur Gravel Town.
C'est un tout coup perdu. Quoi? Ouais, c'est pas forcément faux. Hein. En même temps qu'il en a un peu parlé déjà dans le... Un petit peu. Oui, mais ça veut pas dire que ça a été dit. Donc, le lendemain, il y aura Dream Sweeper qui vous attendra à la sortie de la taverne, qui vous guidera un petit peu vers la maison de là où le drame s'est produit. Chercher son token. Toi, techniquement, on sera même pas sur cette map, mais... une maison assez éloignée. Plus loin dans les cambrousses. On vous suit. Elle vous montrera juste la maison et puis ensuite. Bon, c'est pas tout ça, moi j'ai un peu de boulot. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée. Puis elle disparaîtra. Ça sera une petite bicoque toute simple, pas spécialement bien entretenue, mais suffisant pour quand même y vivre convenablement, même pour tenir des hivers. Disons que ça demandait encore quelques rénovations, et c'était même en cours de rénovation, tel que ça a l'air d'être laissé. Et effectivement, à l'intérieur, on y voit... dès que vous visitez un peu l'intérieur, une maison, tout ce qu'il y a de plus simple, une table, un canapé, une télévision, un téléphone, non c'est faux. Un lit double, un lit simple, enfin deux chambres du coup aussi, cuisine, vraiment tout ce qu'il faut pour une vie de famille, tout ce qu'il y a de plus simple. Bah, du coup, on va fouiller l'intérieur. Ouais. Faire le tour de l'extérieur, voir s'il n'y aurait pas des trucs qui seraient planqués. Vous demandez quand même des jets de perception. Est-ce qu'on peut faire un récap là, en gros les parents de la gamine sont morts, c'est ça? Oui. Ouais. On ne sait pas qui les a tués. Non. Ils ont été assassinés. D'accord. Et donc, je suppose que quelqu'un a emmené la petite, en fait. C'est ça. Okay. Selon le dire du voisinage, les parents n'avaient ni frère, ni sœur, ni autres parents. Et ils n'avaient plus aucun lien familial avec qui que ce soit. Il n'y avait que deux licornes et leur fille, qui sont aujourd'hui disparues. Qui est aujourd'hui disparue parce que la dame, elle vient juste de nous dire que... elle a retrouvé le corps des deux gamines. Enfin, le corps des deux parents, mais elle n'a pas vu le corps de la gamine. D'accord. Perception. Putain. Merde, j'ai fait persuasion. Fumble. Yes. Fumble. Faut un jingle fumble, je pense. Je vais me bouffer un mur, moi. Non, j'ai trouvé quelque chose de sympathique. La nuit a mal. La lose a mal. Voilà. Alors, donc, du coup, on va commencer par... Fizzle. Tu, en fouillant un petit peu, notamment vers la porte d'entrée, tu découvriras que la serrure a été, pas forcée, mais crochetée, et qu'il y a quelques petites... fil de fer, disons, qui sont restés coincés dans la serrure, qui laisse justement penser que ça a été crocheté. Ok. C'est à peu près tout ce que j'ai en fait à dire là-dessus, parce que sinon le reste est assez propre. Et il n'y a pas grand-chose, si ce n'est peut-être quelques traces de sang par-ci par-là, qui laissent à suggérer que ça a été un coup de couteau ou de lame tranchante.
Et ça, tout le monde pourra le voir, sauf ce coup-là qui fouille un petit peu, qui s'est dit, tiens, je vais regarder par la fenêtre. Et en regardant par la fenêtre, elle verra qu'il y a Red Berry qui est en mode coucou, mais qui s'est fait une peinture sur la tête. Une peinture de la muerte. Peinture dégueulasse, je parie. Dégueulasse. Salut. Et donc, du coup, tu recules par. Enfin, tu recules. Tu recules, tu trébucheras et tu tomberas sur les fesses, mais rien de bien méchant. Moi ? Mmh. Ah ! Et en criant, elle rabaisse sa tête et. Ah ! Et elle se cache derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Aïe aïe aïe, quelle horreur ! Fizzle qui arrive en un courant. Quelqu'un t'a envoyé un sort de terreur ? Mais non ! C'est Red Berry, elle s'est peint la face ! Non ! Mais qu'est-ce que tu voulais ? Oh ! Oh ! Oh non ! Ah ! Non mais là vous la voyez pas, elle est de l'autre côté de la fenêtre, vraiment avec tête cachée. Ouais, tête cachée, il y a ses oreilles qui dépassent. Moi je... Est-ce que quelqu'un me relève ? Oui. Oui, je vous ai déjà relevé. Ah, vous êtes gentil. Moi je regardais un peu l'extérieur, voir s'il y avait des trucs, Rennes, du coup. Bah, tu vois Red Berry qui a l'air de se cacher derrière la fenêtre de l'intérieur. Mais je vois rien d'autre relié à notre cas ? Non. J'essaie de trouver un peu mieux. Je plisse des yeux. Ne trouve pas un petit peu mieux, tu ne trouveras rien de plus. Merde. Et sinon, qu'est-ce que vous faites là ? Je dirige ma voix vers la fenêtre, vers... Bon bah venez. Enfin viens. Mais du coup, elle se rapproche. Je voulais juste regarder ce que vous faisiez. Ça a l'air un peu passionnant. Elle regarde un petit peu les murs. C'est du sang, ça ? Ouais. Il y en a 2.0 qui va t'arriver à malheur. Elle frissonne un petit peu. C'est assez glauque. Mais tout est fait de la tenture. Là, c'était pas de la tenture, c'était de la peinture. Ah, ouf. On va pouvoir enlever, puis il va t'apprendre comment on fait, hein. D'accord. Mais c'est pas simple, mais elle le fait très bien. Parce que là, c'est pas possible. Hein. C'est un massacre. Il doit me rester un peu de tenture. D'accord, bon, on fait ça quand tu veux. Bon. Bah. Je vais vous laisser faire, messieurs, dames. De toute façon, il n'y voit rien. Comme tu veux. Bon, ça risque de prendre un peu plus de temps, du coup. Je vais suivre Red Berry. Chez elle. Ok. Bah chez elle, non, elle a pas de chez elle ici. Ah bon ? Elle vient d'où déjà ? Elle l'a pas dit. Et toi, viens d'où ? Une ruche, en fait. Ouais, je viens de... Enoria. Eno quoi ? Enoria ? Oui. Je connais ça. Ah, je connais. Mais... Oh. Enoria, c'est pas le truc des alicornes ? T'es pas là ? Non. Ça, là où il y a le roi Vayne ? Oui. Oh, mais c'est loin. Oui. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Je voyage. D'accord. Je voulais découvrir le monde. Tu voyages toute seule ? Oui. Tu veux venir avec nous ? Je voudrais pas déranger non plus. Je veux dire, vous avez du travail. Eh ben, on va retourner à où déjà ? Stalingrad ? Oui. Ouais. À Stalingrad, et puis si tu veux, tu pourras parler aux gens là-bas. D'accord.
Vous êtes sûr que ça dérange pas? Je vais. Mais non, ça dérange pas. Ah. Si je te dis que ça dérange pas, ça dérange pas. D'accord. Si ça dérangeait, je te dirais tout dérange. Est-ce que je te dis que tout dérangeait? Non. Et ben voilà. Donc tout dérange pas. D'accord. Vous êtes sûr? Oh putain. Je veux dire, ça a l'air quand même sérieux, votre machin. Je veux dire, chercher des disparus, tout ça. Eh ben, c'est... tu peux nous aider, si tu veux. Ouais, ok. Mais t'es partie toute seule à l'aventure, et je suppose que tu dois avoir des compétences quand même. Un peu, oui. Tu sais faire quoi? C'est pas mal. C'est tricoté. C'est pas mal, qu'est-ce que c'est tricoté. Et une aiguille à tricoter dans l'œil. Eh. C'est vrai que ça fait pas du bien. Et à part ça? Oh, je peux taper des choses avec un bâton. Bah, c'est bien aussi. On l'étale ou non l'étale? Bah avec un bâton, c'est non, un bout de bois. C'est, hein, mais... c'était hors. Désolé. Bon, bah du coup, je chercherai un puits ou quelque chose pour lui laver la gueule. Et ensuite, je lui ferai une belle teinture. Vois ça. Okay. C'était ta gueule. Très rapidement, pour les autres qui fouillent, vous trouverez rien de plus. Même dans leur papier. Même dans leurs papiers, rien. C'est vraiment une famille, tout ce qu'il y a de plus banal, qui a été assassinée comme ça. On n'assassine pas les gens sans raison. Voilà, voilà. Donc, retour à Redberry. Et donc, du coup, bah, elle se laisserait faire la teinture. T'as failli dire peinture. Oui, j'ai failli dire peinture. On va lui faire une belle teinture. Et ça dure combien de temps? Un mois. Toute la vie. Ah, un mois. Waouh. Et après, on refait. Et on peut changer les motifs et tout ça. Moi, je garde souvent les mêmes. Mais c'est trop bien. Ouais. C'est beau. Et à une oreille, il se passe quoi? Bah, pas grand chose. D'accord. Et c'est beau? Oui. Parce que ce qu'il essaie de là-bas, c'est que le roi Vayne, il est très sexy. Ah? Vous avez des goûts bizarres, madame. Ah bon? Mais il a une certaine prestance. Il est gentil? Oui. Mais on le voit pas beaucoup. Oh. Pourquoi? Bah, c'est un roi, quoi. On voit pas beaucoup. D'accord. Il se montre très peu en public. Ah, d'accord. Et ça fait longtemps que t'es dans cette ville? Je suis arrivé hier. Ah. Ouais, donc tu sais pas qui aurait pu tuer les gars, là. Ah non. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il voulait l'enfant? Est-ce qu'il y avait un enfant? Oui, en fait, l'enfant qu'on recherche, c'est leur enfant à eux, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Ouais. Et ben voilà. D'accord. Bah, on va y retourner. Et du coup, dans vos disparitions, vous recherchez que des enfants? Non, il y a aussi un gars qui a été disparu depuis l'an 64. Ah, ça fait longtemps. Sandstorm Japs. T'as dit un truc?
pas moi. Combien de temps tu dis 40. 40 ans, j'étais pas né moi. Bah, tu crois qu'il était né? Peut-être vous avez l'air vieille. Mais. À tes souhaits. Excusez-moi. Souhait. Pas de soucis. C'est nous. Bon, ben, d'accord. Hey! Vous avez trouvé quelque chose? Rien du tout. Rien. Absolument rien. Vous êtes d'accord pour que Red Berrier vienne avec nous? Oui. Comment ça? Bah, avec nous. Mais vient d'où? Denoria. Oh! Quoi, oh? Tu connais Olga? C'est qui celle-là? Ah oui, c'est général. Ouais. Mon perso, il est en mode. Tu connais Olga? Attends. Et tout te calme, Silver. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'espace personnel? Ah! Pardon. Oui, mais bien sûr que je connais Olga. C'est notre général. C'est ma mère. Pardon. Excusez-moi. C'est juste que ouais, je suis très très intéressé par l'ancien temps et les héros, et Olga elle a côtoyé tous les héros, donc ah bah oui, mais j'ai eu pas mal de ces histoires. Oui. Oh, c'est bon, elle vient avec nous. On peut la garder, s'il vous plaît. Mon perso, il regarde les autres. Non, mais c'est bon, elle peut venir. Hein. Je jure qu'elle sera utile. Dans le pire des cas, elle nous racontera les histoires qu'on connaît, les histoires sur l'ancien temps. Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi pas? Plus de monde à notre groupe, de toute façon. Fizzle, elle reste concentrée sur ses recherches. C'est le genre de perso, tu vas lui parler, maman, je peux avoir un chien? Oui, elle écoute pas, elle est juste en train de travailler, t'as le gosse, elle vient avec un chien. C'est ça. Mais c'est quoi ça, t'as dit que je pouvais? Ah! Maman, est-ce que je peux mettre le chien dans le sachet de linge? Oui, oh, vas-y. Oh, ça suffit, c'est horrible. Maman, elle a dit que je peux. Quelle horreur. Mais donc, vous trouvez pas ça bizarre? De quoi? Mais cette affaire-là. On n'a aucun indice. Et visiblement, ceux qui ont tué les parents ont dû enlever la gamine. Peut-être. Mais je parle aux autres. Ah. Je vais juste vous C'est bizarre cette affaire. C'est vrai que ça paraît bizarre. Ce que je trouve bizarre, c'est que bizarrement, c'est justement des gens qui étaient arrivés depuis pas longtemps qui ont été visés. Est-ce que ce serait pas des gens qui seraient essayés de venir ici pour je sais pas, fuir quelqu'un et que ce quelqu'un les aurait retrouvés? Ou alors c'est les membres d'un village. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. C'est ce que j'ai à peu près la même théorie que toi, Silver. Selon moi, ils seraient partis. Enfin, ils ont voulu se faire le plus discret possible, histoire de d'échapper à quiconque voulait les tuer. Mais je pense que ça a pas suffi. Effectivement. Mais il semblerait qu'on les a retrouvés. Après, si c'est des licornes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des informations sur eux? Me revoilà. Reine. Oui. Si je garde mon 15 de perception pour la scène de crime en général. Enfin, les traces de sang, est-ce que j'ai vu s'il y avait des traces de lutte ou pas Ça fait partie des traces de sang, donc oui, il y a eu quelques traces de lutte, toi, mais...
Est-ce qu'il n'y aurait pas une marque assez visible, laissée par... En mode, tu sais, le... Omar va tuer. La carte... En mode, la carte du tueur, tu sais. Non, mais... Même juste... Non plus. Tu veux son adresse aussi? Non, mais... Son numéro de téléphone. C'est ce qu'en anglais, ils appellent la calling card. Genre, le Joker qui laisse toujours une carte à jouer du Joker, par exemple, ou... Eh ben, il n'y a rien de ce genre-là. Le mec, il laisse un bouton spécial. Il n'y a rien de ce genre-là. Voilà. Et pourquoi ce jet d'empathie? Pour savoir à quoi elle pense. Écoute, là, je viens à peine de revenir, donc j'ai plus le contexte. Bah, ils causent de l'affaire, c'est tout. Ils l'ont plus ou moins accueilli dans le groupe. Mais l'ancien temps. Connaître ces histoires. Elle est pas très à l'aise sur toutes ces histoires de meurtre. Puis voilà. Elle est pas très à l'aise tout court. C'est elle la meurtrière. Je suis sûre. C'est moi le meurtrière. Je suis sûre qu'elle est pas claire. Bah non, regarde, tu vois son pelage, il est sombre. Ta gueule. J'allais dire pitié, non, on est trop tard. Ça risque d'être faible, mais je vais quand même tenter un truc. Comme de tous. Tu vois, ça va peut-être servir à rien. Mais je vais voir s'il y a un sort qui a été lancé ici ou... Parce que... Peut-être qu'à la base, la détection de sorts, c'est plus pour voir les sorts actifs actuels. C'est vrai. Alors, généralement, je le joue sur des résidus, mais tu sais qu'en 2 mois, il n'y a plus rien. Ok. Il n'y a vraiment aucune trace de combat de... Enfin, si, il y a des traces de lutte, oui. Je vous ai dit tout ce que vous avez à voir. Donc, traces de lutte, il y a du sang, ça a été fait par un couteau. Okay. Bah, on n'en sait pas plus. C'est un couteau qui a fait le coup. Mais c'est un couteau, oui. Bah. Le couteau était l'arme du crime. Colonel Moutarde, avec le chandelier. Bah non, avec le couteau, t'écoutes pas, toi. Ah bah zut alors. Red Berry avec le couteau dans la salle à manger. T'écoutes pas ce que dit le MJ. Mais j'ai rien fait, moi. T'écoutes pas ce que dit le MJ. Avec de la moutarde. Ça mangue. Le colonel Sanders avec la moutarde. Le pire crime. Même dans leurs papiers, en fait, est-ce qu'ils avaient des papiers, des trucs Fouille. Non mais c'est bon, il n'y a plus rien à fouiller, voilà. Bon, tant pis. Bon, tant pis, ça ne nous avance pas, qu'est-ce qu'on fait? On va pas insister. Est-ce qu'on questionne tous les gens du village? On peut essayer de se séparer et de poser des questions, effectivement. Après, est-ce que tous les gens du village, c'est nécessaire? Peut-être juste... Au moins, on devait aller voir la garde. On devait aller voir la garde. Peut-être qu'eux, ils savent d'où ils viennent. Ouais. Parce que si on a la direction approximative de là où ils viennent, on peut peut-être trouver de... Ouais. De quelle ville ils viennent. C'est ça. Bonne idée. Mais ça vous passez tout ça parce que vraiment, vous n'aurez... Rien d'autre. La garde, elle vous dira qu'ils savent pas, puisque de toute façon, ils n'étaient pas là au moment de l'affaire, puisque comme j'ai dit, elle tourne. C'est pas toujours les mêmes gardes. Oui, mais si on interroge tous les gardes. Il y en a 3 ou 4. Et ben. À tout cas. Et oui, pareil. D'accord. Vraiment, vous n'aurez rien d'autre. Et si on leur demande qui c'est qui était présent lors de l'affaire Ils savent pas, ça fait 2 mois au moins. Et quand bien même, ceux qui ont été, ceux qui étaient présents lors de l'affaire, ils en sont venus à la même conclusion que vous, ils ont rien de plus. Est-ce qu'il y a une école dans ce village, Rennes? Non, mais ça suffit. Le jeu a dit, on découvrira rien d'autre. Même s'il y a des écoles, vous ne trouverez rien pour le moment.
Bon. C'est quoi la marque du couteau? Bomba. Je sais pas du tout. On a qu'à reprendre notre route. On a déjà résolu un truc, c'est déjà bien. J'aurais fait toute la matinée en tout cas à fouiller, à questionner, tout ça. Bon bah du coup je vous suis, hein. Ouais. Mmh. Elle reste quand même, Fizer reste quand même attentive tout le long du tout le long de son trajet dans la ville. Donc du coup, où est-ce que vous vous dirigez dorénavant? À Graveltown. On devait se diriger à Graveltown. Graveltown. Et Graveltown. Deux jours de voyage. Bien. Avril 2021. Donc deux pages de journal supplémentaires. Ouais, chaque chose en son temps. Il manque un jour, non? Ah. Oui, non, mais attends, t'inquiète. Ok. Il a failli avoir une rencontre de princesse. Oh. Ah. Failli. Ah. Faut pas nous le dire, maintenant on est triste. Zut alors. Donc, pour la première journée... Je vais poser la question au Vioc. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit du coup à Skoula par rapport au prochain passage de juillet? Faire un jet de... date. Avec un petit -2 parce qu'il s'est passé des choses. Non, juste -1 parce qu'il a fait, il a promis, donc il a pas fait exprès de... -1, -2. Je sais pas. C'est... Bon, fais ton jet d'intellect. À -1 ou -2, du coup. Comme tu veux. Après tout, c'est ton perso. Zut, alors. Il commençait à tourner la page. Ah oui, mais... je vois la date, ce coup-là. J'avais promis, je sais pas si tu te souviens. Je me souviens très bien. Je t'en prie. Gracias. Quand même deux gros paragraphes que tu crois voir. Cela dit, tu sais quoi, je vais te demander un jet de perception. Oh non, mais ça c'est pire, Uru, de pousser le destin. Ah bah attends, parce que en fait techniquement il voit les pages, il voit ce qu'il y a marqué dessus, mais il se dit ah, faut pas que je le lise, donc il va tourner. Donc je vais demander un jet de perception, mais à -2. Pour voir une partie. Pour voir s'il y a pas certains mots qui peuvent t'interpeller. Juste. Gros cul de ce coup-là. Ouais. Arrêtez de parler de mon cul. J'ai dit -2, pas +2. J'ai fait -2. Ah j'ai oui. +2 de base avec vigilant. Oh putain. Ok. Désolé. Dans ce cas-là, au moment où tu tournes la page, je vais t'écrire dans privé sur Discord un mot qui te. Tu gros cul, papa. Quoi? Lequel je suis navré, Loupi. Du cul de qui je parle? Oh, mais MJ qui veut forcer là. Je force pas, mais je trouve juste ça logique. Non, tu forces. Oh. J'aurais peut-être dit à -4, moi, quand même. Mais même à -4, ça serait passé. Oh non. -12, parce que t'es bigleux. J'ai pas porté de lunettes. Sur le chemin, Silver, il aura demandé à Bubi Berry se casser les histoires des héros de l'ancien temps.
Attends, parce qu'il t'écoute pas, Gal. Ah. Bah oui, mais il cherche un truc, il faut suivre aussi. C'est vrai. Mais c'est je faisais ah parce que je suis con. Ah, mais et non, j'ai... t'es pas con, tu es dissipé. T'es pas con. Voilà la phrase que tu crois lire vite fait, très rapide. T'es un peu wow juste... Il le lui tend, mais il plisse des yeux. Ouais, ouais, mais moi je lui ai arraché le truc des pattes. Enfin, pas trop pour pas le. Je te surveille. Voilà, du coup, je vais passer au 2 septembre. Ah, mais moi je veux le lire le juillet, hein. Est-ce que tu lui laisseras lire le 2 juillet? Bah, enfin, pas le, enfin, le juillet, oui. Bah oui. Du coup, j'envoie les deux paragraphes à Loupi, mais en privé. Alors. Oh my god, Ness, au secours! Du coup, ça c'est good. Et pour la deuxième journée, bah du coup oui, il va falloir que. La question que je vais poser du coup à Golden, c'est est-ce que tu vas malgré tout ne pas lire juillet du tout. Ah non, il a dit qu'il allait le lire. Il a dit qu'il allait se lire avant. Ah. Attends, deux secondes que je lise, oui. Si ça t'embête. D'accord. Il lui laisse le temps. Ton pavé là, merci. Red. Oui. Du coup, pendant ce temps, en fait, Silver, il va poser des questions pour avoir les histoires de l'ancien temps que Red Berry connaît. Ok. Il va poser je connais. Je connais un petit peu, enfin presque tout, enfin du moins tout ce qu'on m'a raconté. J'ai logique parce que quand on me raconte des trucs, forcément, je ne peux connaître que ce qu'on m'a raconté. Enfin, bref, écoute, tu veux savoir quoi, quel gardien À propos des cinq gardiens, enfin de. Il y en avait plus que cinq des gardiens. Faut arrêter des bêtises. Mais non, il y avait que nous. Enfin, je veux dire. Des cinq gardiens, enfin les légendes, quoi. Ah, c'était des gardiens comme des autres, comme les autres finalement. Ils ont juste fait quelques petits trucs supplémentaires qui étaient marquants, et certes. Un tox. Mais finalement, c'était que des gardiens comme n'importe qui pouvait le devenir à l'époque. Ouais, mais bon, mine de rien, ils ont fait des trucs. Enfin, c'est vrai que les autres auraient pas fait quoi. Ouais, c'est sûr que. Quand tu l'es un zèbre, il y en avait pas beaucoup qui pouvaient le faire. Et... Non, mais moi je parlais plus sur par exemple la libération de Luminan. Ah oui, bon ça c'est vrai que du coup l'enculeur de zèbre il y a quand même un V1 un dragon, ce qui est pareil, hein, effectivement. Ça. L'enculeur de zèbre aussi. L'enculeur de zèbre. En plus, faut arrêter, c'est lui qui se faisait enculer au bout d'un moment. Oui, oui. C'est perdu en chemin. Ça suffit. L'enculeur de zèbre. Mais genre, t'es pas gentil, Ren. Non. Mon pauvre Storm. Ah ouais, sinon, il va poser des questions. Ça des légendes de l'ancien temps, mais il va pas demander sur le cul de Storm, quoi. Sérieusement. Mais pas trop. Un peu, mais pas trop. Non, non, il va pas demander sur le cul de Storm, non. Même pas un petit peu. Non. Bon, après, il y avait Henri qui était un brave gars, mort courageusement en protégeant la Minotaure, là. Non, mort comme un abruti, c'est comme ça qu'il faut le dire. Comme un héros. Il est mort en héros. Il y avait Glenn, mais il était plus messager. Oui. Hein? Vous avez vu la photo de ma fille? Heureusement, dommage qu'il n'y ait pas des photos. J'aurais fait ça. Hein. Vous avez vu cette photo de mon fils? Oh, dis donc. Il y avait qui? Bon, Icy, qui dirigeait la guilde au début, enfin qui était une des intendantes, disons. Ah, oh, c'est trop triste. Bon, en gros, mon perso, il va rien dire. Il va juste faire. Mm-hmm. Mm-hmm. Il va juste écouter les histoires.
Puis en gros, il te racontera un petit peu, lui, oui, bah, un petit peu de l'histoire de tous les gardiens finalement, même ceux qui sont restés pas très longtemps, genre comment elle s'appelait l'autre connasse qui bouffait les gosses là. Ah, elle. Ouais, je me souviens plus de ton nom. Je sais plus. Connasse. 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 Grognasse. Grognasse, bah voilà. Trogne. C'est la sœur de Goliath. Je crois que c'était Greta ou je sais pas. Ouais, ouais, c'était pas Grella ou un truc comme ça. Grella, ouais, je crois que c'était ça. Ouais, Grella, bon, elle est restée pas très longtemps jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle bouffait des gosses. Il y a Vulcan, cet enfoiré de fils de pute. Oh. Mais quoi? Justement, Monsieur Order, il fait partie de la... C'est un de ceux qui ont fondé l'agence. Apparemment, il a changé par rapport aux histoires d'antan. Oui, c'est ce que me racontait... Bon. C'est ce qu'on me racontait, oui. Bah, apparemment, il avait un petit peu changé. J'ai pas trop suivi ses autres histoires d'après, mais c'est son coup de trahison... C'est pas très cool quand même. C'est vrai que... Et donc, vous travaillez pour lui? Mais attends, quelle trahison? C'est quoi, cette histoire? Bah enfin, il a quand même trahi les gardiens de l'époque. Bon, apparemment, selon les histoires, à contre-cœur, mais... Et après, il a cherché à se racheter. Bah, en tout cas... Parce que, soi-disant, subissant les pressions de sa mère, celle qui se changeait en dragon, d'ailleurs. Oui. Bah, en gros, la guilde où on est, elle est dirigée par lui, Ember Fangweld et Ulrich Romanoff. Hein, il y a Ember et Ulrich, les deux grands explorateurs. Oui. Oui. Oh, ça y est. Orgasme. Ça y est, on a trouvé les héros de celle-là. Tu veux un autographe? Vous me faites un Daddy Boob. Mais c'est trop bien. Je les pensais pas déjà sortis. Bah, ah bah si, on m'avait dit. Mais je savais pas qu'ils dirigeaient une agence maintenant. Eh ben, ils sont en partenariat avec Monsieur Order et sa compagne, Madame Ocean. Gold, hein, je crois. Gold Ocean, ah oui. Oh, d'accord. Ah, mais du coup, mais oui. Mais comment, bah, du coup, comment il va leur enfant? Quel enfant? L'enfant de qui? D'Amber et Ulrich. Bah, on l'a comment pas vu. Comment ça, leur enfant? Hein? Ils ont un gosse? Oui. Bah, ils croient qu'ils l'ont plus. Eh ben, on l'a pas vu, en tout cas. Le tact a un visage. Le tact. Et ce n'est pas celui de ce coup-là. Vraiment? Ben, je sais pas. Karing en parlait dans les journaux, mais il n'a pas osé leur demander. Si lui est arrivé quelque chose, on risque de les rendre tristes. Oh. 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 Attendez. Et si jamais Ulrich et si jamais Ember, elle voulait qu'on travaille sur ses disparitions parce que justement elle a perdu son enfant. Révélation. Musique de la quatrième dimension. Silver qui dit ça? Ou c'est toi? Non, là c'est moi qui ai dit musique de la quatrième dimension, mais avant, oui. Ah, bah, c'est ici. Eh ben, on verra bien, mais il préfère pas lui demander. Il veut pas les rendre tristes. Oui, je comprends. Mais mince, je savais pas. Et sinon, tu connais des histoires d'avant le couronnement des deux sœurs? Oui, j'ai un peu connu, j'ai entendu parler de tout ça. On m'a raconté avant le couronnement, la fondation même carrément de la guilde.
La, la construction de même de Canternia à l'époque, avant que ça devienne Canterlotte. Oh. Ah. Et même avant la, la colonisation de ce continent. Oh là là. Et du coup, on va pas non plus faire déblatérer exactement tout ce qui va être dit, hein, mais ça va être. Oui, parce que vous, vous connaissez déjà de Last Winter en soi. Oui, mais bon. Et c'est, voilà, mon héros il est en mode. Oh, oh oui, Fizel écoutera aussi. Et ainsi, elle racontera la, l'avènement de la création de la race des Bad Pony que vous connaissez du coup. Oh. Comme quoi, c'est pas une race vraiment naturelle. Bah, c'est pas une race qui s'est créée naturellement, mais maintenant c'est naturel vu qu'ils arrivent à exister. Et qu'il n'y en a que quelques-uns qui arrivent encore à survivre. Ceux qui, les premiers, en gros, sont encore vivants et ne vieillissent pas. Oh. Et elle vous citera même certains Bad Pony encore en vie de... Mon papa. Alors du coup, bah, parmi les Bad Pony, il y a... Olga, il y a Okanova, il y a Vladim, il y a Cobalt Gauntlet, il y a Foggy, il y a Sky Chaser. Mon papa, pardon. C'était le papa de Storm. Oh. Et Foggy, c'était sa zouze. À la fin. Je croyais que c'était une deuxième génération, Foggy. Non. C'était Tolia, la deuxième génération. La fille d'Olga. Mais Foggy, elle était tellement vieille. Ben oui. Oh merde. Intéressant tout ça. Effectivement. Du coup, quand arriverons-nous à Graveltown? Bah après une bonne journée, mais d'abord, est-ce que Loupi a fini de lire son machin? Oui, oui, mais j'attendais qu'on... Du coup, on va passer au soir, justement. Où est-ce que, du coup, le Vioque va vouloir lire? Très bien. Bah, écoute... S'il regarde ce coup à lire... Goldan. Oui. Tu la regardes lire ou pas? Bah il attend que t'aies fini. Calmement. Et bah pendant qu'elle lit, à un moment elle fronce les sourcils, à un moment elle sourit, à un moment elle a l'air très gênée, et après elle a l'air triste. Alors? Alors il faut pas lire. Hein. Quoi? Mais... Non, non, non. Mais enfin si. Non, non, non. Mais... S'il vous plaît. Non, j'ai lu un truc là-dedans qui m'a intrigué et j'ai... Oui, mais non, il faut pas lire parce qu'il parle de ma sœur et de comme je l'avais... Comme Camille l'avait dit, alors non, hein. Trop personnel, trop de détails. Est-ce que je dois rappeler c'est quoi comme livre? Oui, c'est quoi? Un livre sur les histoires personnelles de mon fils, Do. Oui. Ça me semble être un juste retour de choses, en quelque sorte. Là, c'est le joueur qui dit que ça comme ça, mais je sais pas comment le dire en tant que personnage, dans le sens où... Bah toi aussi, tu lis tous les trucs qui sont personnels à son fils, donc pourquoi lui pourrait pas lire les trucs de son fils, même si ça concerne un peu ta sœur, ça va pas la concerner trop intimement, hein. Il est sûr que son fils... Tu es plus concerné que elle. Voilà, en quelque sorte. Oui, j'entends bien, mais là, vous savez, la famille, tout ça, c'est très... Quand même, un jour, on verra ma sœur et je voudrais pas que vous la jugiez pour ça. Je ne juge jamais les gens de ce genre. Je ne les juge que par leurs actes et leurs actions. Tu me le donnes? Non. Mais... Rends-le-moi. Non. S'il te plaît. D'accord, mais vous lisez pas. Mais si. Non. Je le lirai bien un jour. Non, non. Mais... Mais quelle chieuse. Non, mais c'est vraiment pas nécessaire. Eh ben, persuasion. Rends-moi mon livre.
Je relance. Je t'en prie. Balance pas de béni pour ça si tu veux relancer parce que c'est pas de la persuasion que t'es censé faire entre joueurs. Non. Je sais. Bon, non. Je dis, mais s'il te plaît, ce coup-là, je ne vais pas juger. J'ai déjà vu pire dans ma vie que éventuellement ce à quoi je m'attends. S'il te plaît. Eh ben, relance. Enfin, relance sans relancer, enfin, tu vois. Sans béni, c'est ça que tu voulais dire, Ruru? Non. Mais quelle chieuse. Toi aussi relance parce qu'il a relancé. Ah bah d'accord. Ouais mais je garde mon 12 ou le dernier G. Ah bah non. D'accord. Bon bah je lui donne et je m'enfuis dehors. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça a été sauvegardé. Tu as les détails. Rions. Bonne lecture. Ah ouais, bonne lecture, ouais. Il va y avoir des détails scabreux à tous les coups. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? Des détails scabreux. Bon, en attendant, du coup, bah, il y aura toujours Redberry qui fera des cours d'histoire, si, un petit peu des histoires et légendes. Peut-être qu'il y aura certains détails de ton bouquin qui vantera un petit peu trop de mérite et elle dira « Ah non, ça c'est pas vrai, c'est des conneries, la vérité, elle rétablira les vraies vérités de ton bouquin, etc. » Eh ben, d'un côté c'est « Ah, d'accord », et de l'autre c'est « Je sais vraiment ce qui s'est passé. » Il n'empêche, j'aimerais beaucoup rencontrer Olga un jour. Tu crois qu'ils acceptent les visiteurs? Bah oui, bien sûr qu'ils acceptent les visiteurs. J'aimerais poser plus de questions sur les gardiens, tout ça. Bah peut-être un jour. Vierge, hein. Bah allez. Attends. Est-ce que Wood sort de sa tente en disant ça? Non, non, non. Du coup, pour continuer avec Redia, elle dira... Après, Olga, elle a son petit caractère, mais elle est gentille. Mais elle est gentille. J'irai voir ce coup là-bas, je m'en doutais. Ah non, mais je me suis enfui, moi. Je me suis planqué, d'ailleurs, voilà. Discrétion contre perception. Sachant que quand elle est partie, je suis allé voir où elle était. J'ai pas de discrétion. C'est honteux. Je suis allé voir où elle était. Je fais honteux, perception. Mais je ne suis même pas surpris. Je vais aussi faire une perception. Ok. Relance. On a enfin de session, je peux relancer. Cette date là quand vous arriverez à Gravelton. Mais avant, c'est vrai que j'ai pas fait de... Je sais pas... Hein? Ok. Vous aurez peut-être une petite rencontre sur la prochaine route. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais toi, tout en bas, tu vas me faire repérer. Hop, school. Je suis pas là. Elle se cache dans le buisson. Perception, mon cher Wood. Planque-moi, Faisal. J'imagine vraiment Fizzle qui, de tout son corps, planque ce coup-là, va être parti. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ce coup-là dans sa discrétion? C'est à toi de me le dire. Euh...
Bah déjà, elle regarde Wood et... Elle est partie par là. Et... Elle regarde... oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je cherche ce coup-là. On l'a pas vu. Non, je l'ai pas vu. Du coup, Wood, tu la vois cachée derrière, derrière un buisson, derrière Tizol. Oula. Je te vois. Je te vois. Hein. Non, non, c'est faux. Eh bien... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi, mais je crois que je m'en doutais de quand tu me parlais de ta sœur. Non, mais elle reste dans son buisson, en fait. Hein. Elle a vie, je vais pas trop... Allez, voisin! On a perdu... Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, il s'en ira. Hein. Bah... Qu'est-ce qui se passe? Il soupire. Je reste à côté du buisson et je me tourne vers la scola. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir? Non. Vraiment? Monsieur Wood, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vexé ce coup-là? Ah non. Il s'est passé des choses. Ah. Il s'est passé quoi? C'est entre elle et moi. Et mon fils. Ah. Ah bon. Ah bon. D'accord. Mon perso, il est en mode... Ah bon. Il a pas compris, hein. C'est juste... Ah. Concernant Redia, je suppose que l'histoire de Karing aura été expliquée vite fait en chemin. Pour qu'elle suive un petit peu. Du coup, Fizzel va... Pâte le buisson. En disant, bon, d'accord, si tu veux pas en parler, mais... Sache que si tu veux en parler, je suis là. Ouais. Et du coup, elle s'en va. Ah, je te laisse. Hein. Mmh. Au secours. Et du coup, elle se barre et elle rejoint. Du coup, elle va voir... Elle va voir Wood. Oui. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est entre moi et ce coup-là. Et mon fils. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? En rapport avec sa sœur. Je pensais que c'était entre vous trois et... Oui. Ça tient pas debout, papy. Elle est confuse. Hein, c'était le but. Est-ce que... je pense que je peux pas en savoir plus. Non. Non. Oui, non. Non. D'accord. Bon, bah moi je reste dans mon buisson, hein, les gars, par contre. Hein. Adieu. Le switch du groupe pour le plus grand plaisir du jeu. Oui. Ouais, il y a juste Redberry qui ira voir. Vous allez bien ce coup-là? Ouais, il va rester là. T'étais pas mal installé dans le buisson? Et quoi comme buisson d'ailleurs? C'est un rosier. Non, c'est un buisson de cerises. C'est ce que j'allais dire. C'est un putain de truc de mur, donc avec des ronces et tout. Mais ce coup-là, t'es sûr tu veux pas sortir? Non. C'est bien, là. Non, mais ça va piquer ici, là. Vous allez vous faire mal. Non. Est-ce que tu fais pas l'enfant?
Non. C'est toi qui aidais ça. Ah ouais, pour une fois, je peux le dire. Et tu crois pas que enfin, comment dire? Tu crois que la loose apprécierait que tu fuis les ennuis comme ça? Enfin, si tu fuis des ennuis. Bah, il fuit pas des ennuis. Pourquoi tu te caches dans un buisson? Parce que c'est gênant. Qu'est-ce qui est gênant? Vous savez qu'à demander à Wood. Bah oui, mais on a entendu. Enfin, Fizel a demandé, mais pourtant, il a pas dit beaucoup plus. Eh ben, vous saurez jamais. Oh. Vous saurez, pardon. Jamais. Mais voilà. Non, je veux dire juste que Fizel est retourné à ses notes, à ses cristaux. Silver, il fait. Tu vas pas rester là-dedans. Bah pourquoi? Mais c'est des ronces. Mais regarde, c'est super confortable. Et tu sais, elle essaye de bien se mettre. Aïe, aïe. Très confortable. Aïe. Mais tu vois bien que c'est pas bien. Tu vas finir par te faire des infections là-dedans. Bon, d'accord. Elle sort. Aïe. Quand même. Aïe. Et Redberry qui commence à te retirer petit à petit des quelques épines qui sont restées. Mm. Aïe. C'est Yanti. Aïe. Mais du coup, je sais pas ce qui s'est passé entre toi et Monsieur Wood, mais enfin bon, pas la peine de prendre la mouche pour ça. Mais il prend pas la mouche. Mais comment t'appelles le fait de te planquer dans un buisson de ronces? Mais il dit, il est. Yes, oui, il est né, c'est tout. C'est pas grave. On n'a pas besoin de le savoir. On peut rester entre toi et Monsieur Wood. Oui, mais ça reste gênant. Ah, mais ça reste gênant. Oui, ça peut rester gênant, mais écoute, tant pis. Hein. La honte n'a tué personne. On va le fixer. Enfin, pas que je sache. Ça a tué des gens, la honte. Bah, il y a une expression qui dit mourir de honte. C'est bien qu'il y en a qui en sont morts. Bah, non. Il y a mourir de rire aussi. Et bah voilà. Je tue des Sims. Comme Diaz. Exactement. Bon. En voyant que du coup, elle s'en est sortie. Enfin, elle s'est sortie des ronces. Elle va sortir une brosse. Et elle va retourner près de ce coup-là. Allez, viens. Bah juste avant tout ça, en même temps, il y a juste Redberry qui aura pris quelques produits désinfectants, entre guillemets. Et commencer à les mettre sur les petits, là où il y avait des petites épines. Mais du coup, elle les regarde toutes les deux. Ah oh bah, merci. Ça serait dommage que ça infecte pour pas grand-chose, pour des broutilles. Ouais. Ce serait dommage que t'en aies encore qui reste coincé dans ta crinière. Tu prends soin de ma crinière, mais pas de la tienne? Je vois que t'en fais beaucoup attention. Bah du coup, elle est contente. Bichonnée. Ah mais tellement. Je devrais me jeter dans les buissons de mur plus souvent. Non. Non. Par contre, j'allais te demander, Ren, est-ce qu'on a beaucoup d'eau? On avait Graveltown. Ouais, après on arrive bientôt à Graveltown. Bah... S'il y a besoin, j'humidifie un peu sa crinière. C'est pour aider à virer les trucs. Okay. Et je vire les trucs et je vire les épines avec la magie.
Bah, bon, ça, t'inquiète pas, y a déjà Red Berry qui s'est occupé des plus grosses épines. Mmh. Je verrai. Enfin, d'une grande majeure partie, il n'y en avait pas énormément. Mmh. Pour avoir déjà plongé dans un buisson de ronces, tu ressors pas avec trop d'épines oui, sur toi. Oui, non. Non, mais surtout là, que c'est pris dans les crins, en fait. C'est ça. Les crins et la queue, aussi. Mmh. Ça doit être horrible. Enfin, du bref, coup... vous prenez tous soin de... Enfin, tous deux à prendre soin, du coup, de ce coup-là. Mmh. Et je vais passer, du coup, le reste de la soirée... Oh, le vin, il est un peu l'ange. Est-ce que ça dérange juste si on fait l'arrivée à Graveltown la semaine prochaine? Bah, juste... comptez vous faire un petit passage vite fait sur la route et je vous ferai pas l'arrivée à Graveltown, en fait. Mais oui, ça va bientôt se terminer. Ah, c'est vrai que t'avais dit qu'il allait se passer un truc sur la route. Bah, on fera l'arrivée demain, de toute façon. Oui, oui. En fait, je vais vous dire, vous arrivez à Graveltown, enfin... Mais pour l'instant, vous allez juste croiser quelqu'un. Oh! Est-ce que c'est encore une alicorne? Non. Attends, il manque notre copine. Bah oui, mais je suis en train de la rechercher. C'est encore le vieux token de Wood. Ah oui. J'ai perdu la teinte tour. Elle aura évité Wood un peu. Hein. Surtout le regard. I'm watching you. Mais... Et Fizzle se mettra à côté de restera à côté de ce coup-là la majorité du temps. Quelque chose qu'il fallait pas. Doit-on lancer un jet? Non, non. C'est juste que je me préparais. Voilà, c'est bon. On croiserait juste un Pégase qui est en train de tirer une charrette. Je suis un marchand de fruits. Non. Vous pouvez avancer en soi. Il se dirige. Enfin, il sort de Graveltown. C'est quoi sa cutie mark? Cutie Mark, lui. C'est un morceau de quartz. Allez. Yes, non. C'est difficile à dire, en fait. C'est son image, on dirait des menottes. Est-ce qu'on peut avoir l'image en entier? Mais non, mais c'est Murky. Mais t'as pris Murky. C'est qui Murky? Ah, mais c'est un truc c'est de Fallout. De Fallout Equestria. Donc oui, c'est une paire de menottes si c'est Murky. Montre l'image. Montre l'image, je vais te dire si c'est ça. Montre l'image, s'il te plaît, monsieur chéri d'amour que j'aime de tout mon cœur. Ah, je connais. Oui. Vu la tête, oui, ça a l'air d'être Murky. Bah, moi, je connais pas. Je reconnais. Ouais, c'est Murky number 7. Ok. Voilà. À tes souhaits. Bah, là, non, c'est pas lui. Il lui ressemble beaucoup, c'est tout. C'est bref. Surtout pas du tout le même univers. En plus. Oui. Je connais. Oui, bah, tu connais, c'est bien. Oui, mais chut. Chut. Mais. Ah, pardon. Bah, du coup, ouais, ce coup-là et moi, on marche côté à côté, en tout cas. Et moi, voyant la charrette arriver, je me décale sur le bord de la route pour lui laisser plus de place. Il y a des choses à percevoir sur ce monsieur? Pas plus que ça. En tout cas, il hoche la tête. À Silver pour remercier plus ou moins, enfin pour dire bonjour. Puis il passe. Juste à Silver. Mm-hmm. Tu le connais? Je le connais. Je crois pas. Non. Bah non. Hola. Hein? C'est la loose la morte. Oui. Vous voulez quelque chose? Non, pas spécialement. Vous allez où? Il regarde son plan un petit peu. Alors attendez. Voilà, je vais me diriger vers Liminon avant de rentrer à Huffington. Voilà. Rappelle quelqu'un. Qui?
le marchand Denis. Pourquoi Denis? Oh, ouais, je vois de quoi tu veux parler. Mais attends. Plus... Pas grave. En entrée à Huffington? Est-ce que par pur hasard, il y a... Attends, ça s'est passé il y a après... Il y a un peu moins d'un mois. Vous avez été escorté... Est-ce que ce serait vous qui avez été escorté depuis Cantor Lodge jusqu'à Huffington par un groupe de... De trois licornes. Non. T'es sûr? Et les corbeaux passent en faisant croc croc croc. D'accord. Parce que... D'accord. Autre chose? Ah bah non, bon courage. Et vous. Ça va bien, allez... monsieur? Hein? Je lui demande si ça va. Ouais. Vous avez porté le poids du monde sur vos épaules. Vous parlez tous les deux en même temps, ça. Vas-y. Vous voulez porter le poids du monde sur vos épaules? Non, ça va. Je suis juste très calme et posé naturellement, c'est tout. C'est lui le meurtrier, donc. T'as pris du cannabis? On prend pas ce genre de substance. Ah, moi, tout au vrai. Et vous allez tout seul là-bas? Mm-hmm. Vous avez pas peur? Non. Et vous transportez quoi? Pour le moment, je ne transporte rien. Je viens tout juste de vendre quelques affaires à Gravel Town. Et puis, qu'est-ce que ça vous intéresse? Bon, ça va, il a fait la conversation, c'est bon, hein? Je suis pressé. Bon, et à tout hasard, vous auriez pas, vous, une petite licorne? Et je fais la description de Orchid. Non. D'accord. Bon, bah, bon voyage. Ouais. Putain. Courage. Attends. Hein? J'ai oublié un truc. Alors, encore une fois, je suis censé te... Enfin, c'est moi qui est censé te dire, vas-y, fais le jet. Mais... Quoi? Je peux bien dire que je lance mon sort, je vais pas attendre que tu me dises oui, vas-y, je sais pas. Bah techniquement si, c'est ce que je demande. Oui mais j'aimerais lancer mes sorts, je vais te demander la permission à chaque fois que je veux lancer un sort. Techniquement oui, tu dis je vais lancer mon sort en partie et puis je te dis vas-y. Ça change rien. C'est comme ça que ça marche normalement. Mais ça change rien. Non mais c'est... D'accord. C'est juste il peut dire que non. Alors... Tu ressentiras comme du dégoût. Du dégoût. Du dégoût. Envers qui? Du dégoût. Et c'est quoi qui vous dégoûte? Discrétion. Il t'ignore. Bon, je vais le suivre. C'est donc ça la réponse. Ce coup-là, stop. Ah! J'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a esquivé, je suis trop vieux. Et qu'est-ce qui se passe? Allô? Bonjour. C'est quoi qui vous dégoûte? Laissez-moi passer. Bah, répondez. Laissez-moi passer. Répondez. Est-ce que vous voulez bien répondre? Oula, est-ce que vous voulez bien répondre? C'est juste une simple question. La loose de la muerte, voilà ce qui me dégoûte.
Laissez-moi juste passer, je suis pressé. Oui, d'accord. Mais d'abord, vous me répondez. Vous savez, plus vous mettez de temps à répondre, plus vous perdez du temps. Hein. Qu'est-ce qui me dégoûte? Oui. Les voyageurs qui me font perdre du temps. La société. Moi, mais encore. Barrez-vous. Je peux refaire un G? Je veux, oui. Loupi, si tu veux, vu qu'on est en quasi fin de session, je peux te donner mon coup gagnant. Comme ça, tu obtiens automatiquement un succès avec prouesse. Et je crois que ça apporte un bonus sur ton... Ça fait un truc supplémentaire à ton sort, non? En fait, là, comme elle l'utilise, c'est juste pour sortir les émotions des gens. Oui. Mais sinon, oui. Mais t'inquiète. Ça apporte quoi, t'as dit? Bah en fait, c'est juste que ça ferait... T'as pas besoin de faire de jet si tu utilises sa carte, c'est une prouesse automatique. Ah bah, vas-y. Du coup, tiens. Je l'ai posé directement. Ouais. Donc du coup, bah ça consomme quand même tes points de pouvoir, hein, ma chérie. Oui, oui. Donc, gros dégoût que tu peux ressentir sur lui. Ouais. Et en plus, un peu de colère maintenant que tu l'emmerdes. Je sens pas vers qui... Et d'agacement. Je sens pas vers qui c'est visé. Et le dégoût, allez, je peux bien t'autoriser, il est dirigé plus vers vous deux. Ah. D'accord. Je penche un peu la tête sur le côté. C'est les femmes ou les cornes qui vous dégoûtent? Silver, tu peux la ramasser. On s'en va. J'arrête Silver. Non, elle c'est fini de me sonder. Cassez-vous. Elle fronce les sourcils. Vous savez que c'est à cause des gens comme vous qu'il y a eu l'hiver éternel? Je chuchote à... Vous comptez me faire un... Vas-y. Je chuchote à Silver, j'ai un mauvais pressentiment sur ce cas-là. Vous comptez me faire un cours d'histoire? Encore longtemps? Bah, je sais pas, vous pensez être un connard encore longtemps? Raciste! Vous n'aiderez pas à améliorer les choses, madame. Bah, vous non plus, hein. Vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît. Je juge du regard. Elle me juge. Ah, moi. Je le regarde mal. Moi je le Fizel le juge aussi. Pardon, j'aurais dû demander pour le G. Pardon. Et par contre, je vous demanderai un jeu de perception. Mais compte quand même en intimidation? Non, parce que tu l'as pas demandé. Mais t'es pas drôle, c'est chiant ta règle. Je relance. Perception. Je vais faire un jet d'intimidation. Oh non, attends. Je perçois le monde. Il est parti où? Il a okay. Fait quoi? Du coup. Je sais pas comment je vais régler ça pour Fizzle. Et j'ai pas le jet de Wood. Ah si. Non. Non. Ah non. J'allais le lancer là. Il n'y a pas de jeu pour...
Bah non, mais moi je voulais faire manger d'intimidation avant. Hein. Tu vas le faire après, mais pour l'instant là je termine sur la perception. Bah cela dit, tiens, tu sais quoi, je vais garder ton jet d'intimidation. En fait, tu lui aurais fait presser un petit peu le pas. Mm. Ça aurait fait rouler quelque chose. Enfin, il aurait roulé un petit peu sur une pierre qui aurait soulevé rapidement une bâche. Et vous auriez pu voir un vêtement rouge. Mais pas rouge sang, vraiment rouge, c'est le tissu qui est rouge. Mais sans plus. Et que des... On voit que des balles de tissu quoi, à l'intérieur de sa charrette. Y'a rien quoi. Et par rapport à ton intimidation, du coup, effectivement, il a pressé le pas, il a détourné le regard. Genre... Ouais, c'est ça, baisse le regard. Salope. Baisse les yeux, salope! Hein? Et il se casse. Et Redberry qui regarde droite en gauche, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Ben. Je cherche à comprendre. Coula. Ah. Ça veut dire quoi ça? Ben. On peut pas nier que tu as un caractère bien à toi. Je me mets sur mes pattes arrière et je colle mon museau au sien. Ça veut dire quoi ça? Que ben, tu es en train de le prouver et maintenant, tout de suite, là. Ben, on est d'accord. Les intenses, c'est ce qu'il veut une dire. Fois qu'il est, une fois que le gars est bien à portée, est bien hors de portée d'écoute, on est d'accord que c'est le même gars que le mari de Flora, de Flora Leaf et que les deux autres de la guilde ont escorté. Attends une seconde. Hein? Marie de Florent Alif qui avait disparu, qui avait escorté un Pégase vert. Oh. J'avais bien qui allait à Huffington. Qui allait à Huffington. Et il aime pas les licornes et les cornes coupées. Faut rattraper ce gosse. Oh, c'est juste une supposition. Supposition de la part du seul joueur qui a pris une note. On peut pas risquer que d'autres gens meurent. Non, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je veux dire, il faut pas foncer dessus et d'un seul coup le transpercer. Mais il va pas le transpercer, ça va pas. Non, mais il faut pas un plan, quoi. Eh ben, on y va, on l'attache, on le ligote et on le fait parler. C'est un plan. Bon, bah, y va. Alors... aux toilettes, du coup. mais on est même pas sûr que ce soit lui. Dans le doute, on tue tout le monde. Mais attends, on attend trop bouger parce que Ren n'est pas là. Oui, attendez, me jure. Vite, rattrapez-le, il est sur place. Vite, il a pas de fiche. Il bug. Vite, il est en zone de chargement. Tue-le pendant qu'il charge. Plante-lui un couteau à l'endroit où va charger son cœur. Mais Dis-toi. Scoula et Fizzle sont loin, hein. Ils sont déjà commencent à partir. Hein. Mais attendez, mais on peut pas faire ça comme ça. Quoi, tu fais un mandat? Bah, on est même pas sûr que c'est lui. Eh ben, déjà on va aime bien pas... le voir en l'interrogeant. Mais déjà qu'il aime pas les trucs, si on sait s'en jamais, on sait pas. On va lui donner une raison de pas nous aimer. Pire. Voilà, juste. Si jamais vous rencontrez un raciste en vrai, vous faites pas cette technique, parce que ce sera encore pire. Du coup, CTRL-Z, ça aide, elle est CTRL-Z, je vous mets juste un petit peu plus comme ça. Ouais. Bah, du coup, quand ce coup-là commence à courir pour le rattraper, bah, Fizzle la suit. Bon, bah, je vais suivre aussi, hein, tant qu'à faire. Moi, par contre, je peux choper la charrette et l'empêcher d'avancer. C'est clair. Il
Il regarde derrière, il presse un petit peu le pas, mais en soi, vous le rattraperez quand même. Bah, de toute façon, on va galoper. Je chope la charrière. Je chope la charrette. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Désolé, mais on aurait quelques questions en plus. Mais c'est pas vrai. Pose-lui les questions, Faisal. Mauvais flic et plus mauvais flic. Alors, déjà, j'aimerais la vérité sur ce qui s'est passé il y a un mois, lorsqu'on t'a escorté pour aller à Huffington. Comme de par hasard, c'était trois licornes qui t'ont escorté. J'ai pas raison. Non, cours totalement. Non. Dans ce cas-là, ça te dérange pas qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a dans ta charrette? Vas-y. Parce que je suppose, Ren, qu'il y a une bâche. Hein, qu'il y a une bâche qui couvre tout. Sylvain est déjà en train de regarder. Bah du coup, je regarde. Et vous prenez pourquoi des gardes? Ouais, exactement. Tu sais qu'à cause de toi, il y a une femme et ses 5 enfants qui ont perdu un compagnon et un père. Kilo sans sourcil, à cause de moi. Non, ouais. Mais on est... Ce coup-là, arrête d'accuser les gens pour rien non plus. Hein. Bah quoi, c'est lui qui avait demandé une escorte. C'est lui que le gars a escorté. Mais on n'est pas sûr. Donc, du coup, toi, tu soulevais la bâche, tout ce que tu vois, pas besoin de jet de perception pour ça, c'est effectivement une petite cape rouge et quelques tonneaux remplis d'un petit peu d'argent quand même. D'accord, rien d'autre? Rien d'autre. Je chope la cape rouge et je l'inspecte. Ok. Bon, toi... perception. C'est pour Pizzle, du coup. Oui, je crois. Tu remarques que, du coup, elle est très propre, très bien soignée et fraîchement lavée. Mais tu peux voir qu'il y a une petite trace de brûlé. Enfin, comme si en fait il y avait une partie de la cape qui avait légèrement été brûlée. D'accord. La partie de la cape qui a été brûlée, elle recouvre. C'est vraiment c'est juste une petite partie basse, genre vraiment une brûlure type. Genre t'as pris un petit briquet, t'as brûlé un tissu vite fait et puis t'as éteint 2 secondes après quoi. D'accord. Et c'est sur un débordé tissu genre par arrière gauche. Plus un petit trou comme si c'était une petite cendre qui s'était posée dessus. Dans ce style là. D'accord. Elle est récente ou elle est vieille cette brûlure? Bon, ça a l'air de dater quand même. C'est difficile à dire. De dater. D'il y a d'un mois. C'est difficile à dire, hein, à vrai dire. The plot thickens. D'accord. Et le trou est petit, c'est ça? Oui, tout petit, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une dague ou un truc du genre dans la... Non, rien. Ok. Et les tonneaux, ils sont grands comment? Genre, c'est des petits tonneaux, c'est plus des petits coffres plutôt. Ah! Mais je disais tonneaux parce que ça paraissait grand, mais c'était plus un petit coffre dans lequel il y a de l'argent. Et bon, après, niveau dague, il a quand même une petite arme sur lui parce que bon, il voyage, c'est normal. C'est assez commun pour un voyageur d'avoir des armes. Oui, certes. Est-ce que le gars est en train de me regarder? Ou il est en train de... Ou il est occupé avec ce coup-là? Bah, il regarde un petit peu partout, hein. Il zieute un peu ce que vous faites avec son matériel, surtout au niveau du coffre, parce que bon, c'est sa thune, quoi. Mmh.
Silver maintient tout son poids sur le sur la charrette pour l'empêcher de partir. Yes. Putain, ça pourrait venir des... Silver, rappelle-moi, mais on est d'accord que les cadavres, ils ont été brûlés. Oui, ils ont été incinérés, effectivement. Ah, donc ce trou là, ce trou de brûlure là, c'est. Ça peut être lié. Moi, ça... je. C'est un peu loin. Ça pourrait. Enfin, il y a quand même quasi rien. C'est même pas des on-dit là. Vous avez pas un sort qui permet de savoir la vérité une fois pour toutes? Ce serait pratique au moins. Est-ce que je peux refaire un sort d'empathie pour savoir s'il stresse ou pas? Oui. Enfin, c'est pas pour savoir s'il stresse ou pas, c'est pour savoir son émotion. Le stress, c'est une émotion. Oui. Là, tu ne ressens rien. Bah, je peux recommencer. Pour recommencer, mais tu as quand même dépensé ton mana. Oui, oui, je dépense, t'inquiète. Elle peut pas utiliser un truc. Attends, je fais un béni. Il me laisse même pas le temps de dire que je lance un béni, quoi. Ah, vas-y, lance, j'ai pas soulevé le gobelet encore. Ok, alors attends, j'enlève mon béni. C'est vrai que... Tu le gardes celui-là? Bah oui. Ça y résiste. En vrai, j'ai envie d'utiliser Félon pour qu'il nous dise tout. Franchement. Pourquoi on t'as déjà utilisé une carte. Oui, mais quelqu'un peut l'utiliser. Mais je peux l'utiliser. Ouais. T'es sûr? C'est pas genre il faut l'échanger. Convaincu ou corrompu par votre héros d'une quelconque manière. Oh non. Mais là, c'est un petit service. Là, je pense que ça devrait pas être à Fizel de le faire, étant donné qu'elle l'a un peu agressé avec ce coup-là. Ou alors, on utilise trahison sur Redberry. Oh, non. Et ensuite, on utilise le point de conviction pour le trahir. Enfin, pour le... Mais non. Je sais ce que je vais faire. Vas-y. Je fais Félon. Alors, deux secondes, parce que Félon, après, c'est sur des petites révélations ou sur des petits services. Et petite révélation, révéler où est le chef. Mais tout nous, on peut lui demander de nous révéler qui l'a accompagné jusqu'à Huffington. Okay. C'est pas non plus une énorme révélation en mode oh, il les a forcément tués, mais ça nous pointe dans la bonne direction. Et en plus, c'est mon perso qui le fait. Mmh. Vas-y. Et pour l'instant, le perso, il est. Alors par contre, je peux pas le mettre. Ça a loupé de le mettre. Golden, non, c'est moi. Excuse-moi, deux secondes. Pardon, excuse-moi. Donc vas-y, tente de le corrompre, le convaincre, quand même. Qu'est-ce que je lui dis pour le convaincre? Monsieur, ce serait plus simple pour tout le monde si vous nous disiez qui vous a accompagné de Canterlot à Huffington. Comme ça, plus vite vous nous le dites, plus vite on s'en ira. Et plus vite on vous laissera tranquille. Ok. C'était un licorne du nom de... Je sais plus, Boréal, quelque chose. Il était violet? Ah, il est bleu. Attends, c'était bleu, violet? De souvenir, ouais. Ça me dit un truc, ça. C'est le mari. C'est le mari. Correspond à la description du mari de Flora. Ah, ok. Crin mi-long, licorne bleu violacé, armure de cuir. Et du coup, ils étaient toujours en vie au moment où vous vous êtes séparés à Huffington. D'accord. Et vous les avez pas revus depuis? Non. Bon. Je regarde les autres et je dis, bon, enfin...
Mais il a quand même dit ce qu'il savait, donc... Moi, je fais crépiter ma corne. T'es sourd ? Qu'as-tu nous dit tout ? Et un jet de terreur, hein ? Tu veux faire un jet d'intimidation pour ça ? Oui. Tu veux pas lancer un sort de terreur ? Ce sera après. Je lance ou pas ? Pour intimidation, vas-y, ouais. Oui. Fronce les sourcils. je me ramène avec la cape, du coup. Mieux vaut tout nous dire, monsieur. Hein, vraiment. Est-ce qu'on pourrait savoir d'où ça vient, ça, en lui montrant la brûlure? Quand? L'étincelle, ça arrive facilement. Oui, mais... Surtout à la période de nuit où il aurait besoin de se réchauffer, je me rapprochais du feu, une étincelle, paf, voilà. Elle frappe du sabot sur le sol. Il sursaute. Pourquoi t'engages des licornes pour t'escorter alors que tu les aimes pas et qu'elles te dégoûtent ? J'ai pas trop le choix, ma bonne dame. Faut bien vivre. Que ça de disponible. Je te conseille très fortement de tout avouer. Et elle fait crépiter sa corne. Là, il est complètement tremblant. Et je vais surtout à Fizzle et à... Perception. Quoi, qui? Il a dit perception à Fizzle. Perception, et à... Fizzle, Skoula. Bah, on le surveille, non, nous aussi. Oh. Oui, mais nous, on voit ses expressions faciales. Vous voyez sa charrette. Bah, c'est surtout qu'en fait, il arrive à le faire très discrètement avec ses ailes. Oui. Mais ce coup-là, tu vois clairement qu'il était en train de se désarçonner. Genre vraiment de se défaire de la... De sa charrette. Je sors mon épée. Je suis à l'arrière, je dois le voir normalement. Non. Je sors mon épée. Je te déconseille de faire ça. Enfin, ma rapière, pardon. Ouais. Du coup, je fais crépiter aussi ma corne. Mais bordel, vous allez blesser en paix. Réponds aux questions. Dites-nous simplement ce qu'on veut savoir, monsieur, et vous pourrez partir. Trois licornes t'ont accompagné. Trois licornes sont retrouvées mortes, brûlées, avec la corne arrachée. Il n'y a qu'une seule licorne qui m'a accompagné. Mm-hmm. Il me semble... Ouais, c'était au retour. On avait... C'est vrai que c'était au retour qu'il y en avait trois. Ouais, mais ouais. C'est pas grave. Je bluffe. Laissez-moi tranquille. On va essayer de rajouter un peu de bons flics. Monsieur, réellement, hein, dites-nous tout ce que vous savez et puis on vous laissera. Hein. C'est vrai, hein, les amis. Ouais. C'est Silver qui essaie de se convaincre lui-même parce qu'il n'est pas sûr, là. On veuille savoir qui a tué cette licorne. Enfin, ces licornes. Je sais pas. Vous avez rien vu ? Non. Réellement. Non. Et je sais pas, ne serait-ce que peut-être quelqu'un d'autre qui... Je vous ai dit non, laissez-moi en paix. Je peux faire empathie? Oui. On essaye d'être gentil. Ah. Oh ben, je vais le relancer. Vas-y. Eh putain. Pourquoi c'est toujours... Je sais pas. Ça passe. Par contre, tu vas quand même me lancer la table de contre-coup dynamique. C'est où ? Dans les macros. Macro, hop. Oh god. Ça a pas fait chier. Explosion ! Yeah.
Bon, tu pourras quand même lire son ses émotions, stress, énervement, angoisse et tout ça. Par contre, tu as sonné sur le coup, vraiment tu as forcé sur ta magie. Ouais. Et tu auras moins 2 sur tous tes jets jusqu'à la fin de cette rencontre. Ok. Les jets d'arcane. Enfin, les jets d'arcane, oui. Je fais un signe à Red Berry pour qu'elle passe au-dessus du chariot en volant. D'accord. Par contre, en voyant que ça s'est sonné, que ce coup-là a été sonné, il va profiter de l'instant et commencer à détendre ses ailes et à vouloir se barrer. Tu vas devoir me faire Fizzle. Ouais. Enfin, toi qui commences vraiment à voir la chose, me décrire. Enfin, vous allez tous me décrire quelque chose si vous voulez tenter de l'arrêter parce qu'il est sur le point de se barrer. Bah, moi je peux rien faire, je suis sonné. Alors, s'il est désarçonné, je peux appuyer comme un con sur l'arrière de la charrette pour que l'arnachement lui retombe dans les ailes. Pour que ça remonte par effet de balancier. C'est comme les balançoires de gosse. Non, mais c'est... Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment une ceinture qu'il a défait. Mais... Oui. Eh ben, tu tournes la charrette et ça lui donne un coup de... Non, mais ça, là. Je te parle de ça, là, les morceaux en bois. Ouais. Si je le remonte d'un coup, s'il est en train de battre des ailes puissamment... Ça va forcément le toucher au niveau des ailes. Ok, bah athlétisme alors contre son athlétisme. Ce serait plutôt de la force. Parce que là, j'appuie comme un bœuf de mon côté de la charrette. Bah ok. Quant à moi... Après, je pense plus à l'athlétisme parce que c'est le temps que tu agisses réellement rapidement en fait. Mais je suis déjà appuyé dessus en fait, j'ai juste à finir d'appuyer comme... Oui mais comme c'est le réflexe, c'est le coup réflexe. Ah... Du coup, force ou vigueur. Ouf. Mais bon, déjà, juste avant, Fizzle, toi de ton côté. Fizzle, elle va tenter de le maintenir au sol. En le fracassant sur sa charrette. Donc, je vais lui faire un choc, basiquement. Je vais lui faire un choc en direction. Un sort du coup. Un sort vers sa charrette. Pour le pousser vers sa charrette. Enfin, non, c'est pas choc. Un ravage. Bad. Ouais, voilà, ravage. My bad. Ok. Du coup, bah vas-y, ton jet d'athlétisme d'abord. Et ça va être un moins 2. Allez. Yo, Mogwai, Bafai, Titsa. Ce n'est pas un fumble. Ce n'est pas un fumble. Donc je relance avec un béni. Jusqu'à ce que ce soit un fumble ou que je réussisse. Ça marche pas. Là, tu peux relancer encore. Je relance. C'est la fin de la session de toute façon. Je relancerai encore et encore. Et toujours. Ah. Allez! Ah! Le fumble! T'as encore un dernier béni, gueule! Bah non, mais. Chier! Tu peux tenter de sauver la chose. Allez! Voilà, le dernier béni de l'amour. Ouais, voilà, moi j'ai pas trop de. Je crois que Golden s'est éteint. Non, je suis là. Non, ça va. Vous ne dites rien. Ok. C'est juste que... Du coup. Je dois recliquer. Donc, athlétisme aussi. Non, c'est juste on t'écrivait comment on faisait et... Moi, je pense que je réfléchissais, mais je vois pas d'autres trucs qu'il pourrait faire que essayer de lancer son arbalète dessus. J'ai pas le temps de courir, je suis vieux en plus. Donc, concernant Silver, du coup... ton action fonctionne plus ou moins, sauf que ça, il est suffisamment agile pour esquiver cela. Par contre, du coup, le petit coffret où il y avait son or, t'as appuyé tellement fort dessus que bah, ça te tombe sur la gueule et que ça te secoue. Attends, avec 6, ça suffit pas. Merde. Bah non, bah, c'est un jet opposé, monsieur. Ah, c'est pas juste. Fizzle, du coup, tu vas pouvoir faire ta rafale. Ok.
J'ai de l'or qui me suis tombé dessus. Ton ravage. Mais pourquoi on fait des jets nuls maintenant? Parce qu'on en a besoin, des vrais jets. C'est ça. Chaque fois qu'on a besoin de jets. Bon, ben... Ah, y a plus de béni en plus. Non, j'ai plus de béni. Ah! Mais j'ai fait un signe à Redberry! Ouais, ben, qu'est-ce que elle je fais? Pas compris. Eh ben, je sais pas, c'est le. Non, mais elle est plus en mode je sais pas quoi faire. Et Wood? Ben, comme j'ai dit, je vais lancer mon arbalète. Athlétisme, du coup. Moins 1 ou moins 2 quand c'est des armes à pro? Moins 2. Oh non! Bon, ben, moins 2 du coup. Moins 2 plus. Attends, il est combien? Il a quel. Mais il a combien d'athlétisme? Mais t'as 3 bénis golden. Je vais relancer, oui. Cliquons donc. Ouais, tu peux y arriver. Très drôle, c'est le 25. Non. Tu peux y arriver. Eh mais merde, un autre jour, ça concerne pas les jets réussis, juste les attaques. Il y a le 1 qui te titille quand même, là. Laisse tomber. Non, je lance tout. Mais non, mais arrêtez de gâcher vos bénis, là. Au bout d'un moment, voilà. Faut être béni. Intelligent. Aïe. J'y croyais. Bon. Du coup, bah, il s'envole. Quand il est encore assez proche en l'air, parce que normalement, je peux encore l'atteindre avec mon sort. C'est quoi la portée? Portée intel. C'est-à-dire c'est intel x2 et intel c'est des 10. Donc c'est 10, donc 20. Je revérifie une dernière fois. Mais... 20 mètres du coup. Ravage. C'est intellect. Mais étant donné que du coup c'est intellect. C'est en mètre et c'est en case et pas en mètre. Du coup 20 mètres. Donc je peux encore le toucher. Et je vais tenter de l'envoyer dans un arbre. Ok, ça sera ta dernière chance. Pitié. Sachant que j'y mets modificateur puissant. Son jet de force se fait à moins 2 si jamais je réussis. Et étant donné qu'il est en l'air, il se fait encore à moins 2. Ouais. Oh. Et en plus moins 2 parce que c'est à moins 6. Il a moins 6. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça? J'avais 10 000 dés dans mon gobelet. N'importe quoi. Je savais plus ce que c'était. Du coup, ouais, le jet de force à moins 6. Ouais. Il fait mal. Dommage. Il réussit, ça. Mais t'as relancé, gros mytho. j'ai relancé parce que son dé a explosé. Non, mais attends, on a entendu le... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais tellement de dés dans mon gobelet, je sais plus. Mais non, mais je te jure, j'avais... Non, mais viens, cheater de merde, fais-le discrètement, au moins, quand tu pipes les dés. Mais non, mais je vais pas piper, ouais, bah moi non plus, moi aussi, je vais arrêter de piper. Tu vas arrêter de tricher. Oui, Golden reste chier pur. Non mais attends, moi je peux rien faire. Vigueur pour te restabiliser. C'est pas âme plutôt? Pour le coup c'est tu es sonné, tu n'es pas secoué, donc c'est de la vigueur. D'accord. Oh putain, avec mon vieux D4. Ok, laisse tomber. Mais non, mais genre Ren. C'est quoi, tu t'es tellement sonné avec ton sort en fait que tu en fait tu es tombé dans les vapes un court moment. Moi j'ai pris le coffret sur la gueule, on a perdu quelqu'un, au risque d'être recherché pour attaque sur quelqu'un d'innocent. Et... J'ai rien fait, j'ai glissé, mon arbalète est tombée. Une fois que je l'ai plus emporté, je vais voir. Non mais j'y crois pas, le mec attends, il a du scénarium. Je me suis fail. Dans ma progression, j'ai écrit que j'ai augmenté un dé de vigueur, sauf que mon dé de vigueur est toujours à D4. Ah. Bah, oh.
Ah non, on lance. Bah non, c'est tant pis pour moi. De toute façon, c'est un fumble, alors bon. Allez. Du coup, je te... Bah c'est le jeu qui décide. Je te l'autorise, mais la prochaine fois... La prochaine fois, c'est fais gaffe à ta fiche. Du coup, ouais, tu seras restabilisé. Il faut juste que je revoie sort de l'état sonné. Hop. Oh, il sent bon ce. Alors. Ok, bah du coup tu peux tenter une action, du coup une dernière action contre lui. D'accord, bah je voudrais faire un sort de terreur. Vas-y. Il va s'enfuir encore plus vite. Bah pas forcément, il peut se stopper aussi. Oui, il peut se chier dessus effectivement. Vas-y, je t'en prie. Je sais pas. Il sera transformé en pigeon. Non, oh. Mais du coup vous me faites douter là. Allez, vas-y. À moins 2. Pas moins 2. Bah à cause du truc. Du sonnet. Du fait que... Ah oui, si, c'est vrai, c'est toujours la rencontre, donc oui, à moins 2 le jet. Je peux pas faire un modificateur ou une merde pour éventuellement booster mes trucs ou annuler cette merde. Je connais pas les modificateurs. Terreur. Non, tu peux juste mettre une zone d'effet. Après, qu'est-ce que tu peux mettre? T'as pas de modificateur qui t'ajoute un bonus en... un bonus au jet d'arcane. Bon bah... Vous le ressentez le fumble ou pas? Non. Moi oui. Non. Ah oh. C'est un 17 les enfants. Je crois... Le pouvoir du non. Voilà. Il m'a saoulé lui. Ouais, enfin bon, il doit juste réussir un jet d'âme à moins 2, calmez-vous. Ouais, alors il faut qu'il fasse plus que 17, hein. Non, il doit juste réussir un jet d'âme à moins 2, c'est-à-dire faire 4. Mais c'est nul. Ah, chais. Ah, oh, là, du coup, il doit faire un autre jet. Du coup, il doit faire un jet de terreur à plus 2. Trois appels. Les viveurs. Les jets de terreur. C'est bon. Tu risques la Il fuit encore plus vite. Sérieusement. Mais il s'est mis à trembler, il a failli se prendre quelques arbres au passage. Quand il a regardé derrière et qu'il a vu oh putain de merde, et puis il a failli se bouffer un arbre, mais il a oh shit, et puis il a accéléré le mouvement finalement. Bah c'est nul, voilà. Triste. Bah ça va aller ce coup là. Ouais. En tout cas, ce gars-là, je le retiens. Moi aussi. Main. Je vais quand même ranger les trucs dans sa charrette. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bah, on met sur le côté de la route et puis on le cache. Genre, moi, je vais pas voler ça. Bah, il y avait pas le voler non plus. Faudrait lui rendre quand même. Bah, c'est vous qui lui avez fait peur, hein. Mais il voulait juste qu'il parle. Pourquoi elle a pas parlé? Pourquoi quand on me pose des questions, les gens ils répondent pas? Peut-être parce que tu les impressionnes un peu trop. Mais quoi, je fais 1m20. Qu'est-ce que tu racontes? 1m19. Mais la taille, c'est pas ça empêche pas forcément d'impressionner, hein, si on est pas grand. Super. Désolé de dire ça, mais le gars, il paraissait assez suspect dès le moment où... Mais j'ai pas dit qu'il était pas suspect.
Dès le moment où il a refusé de répondre à mes questions, ou dès le moment où il a refusé de répondre, il était suspect. Et étant donné que il est potentiellement lié à un meurtre récent de 3 personnes, excuse-nous d'aller un peu d'être un peu agressive envers lui. Mais je vais soupirer, je dis pas que vous aviez tort. Je dis juste que on aurait peut-être pu le faire mieux en fait. Bah. Mais après, bon, voilà. Moi, eh ben la prochaine fois, mais c'est toi qui décides et c'est toi qui fais les plans. Mais je dis justement. La prochaine fois, tu t'en occupes. D'accord? Si t'es pas content. Mais c'est. Oh, pauvre... mais c'est. Mais. Ah, j'essaie de. Il vient de se passer quoi là? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Et je regarde mieux. Parce pourquoi que j'ai... tu passes sous la charrette? Ça me stresse. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je regarde parce que je m'étais surtout concentré sur le tissu. Eh ben, j'ai pris un coffret dans la gueule. Ça fait pas du bien. Bon, il a dit que ça s'appelait comment déjà? Il a pas donné son nom. Mais on doit le savoir, non? Non. Non. Malheureusement, la Floralif nous a pas donné son nom. Mais on peut retourner. Étant donné qu'on va à Gravelton, on ira leur demander. Ouais, on va qu'à leur rendre la charrette. Pour qu'il lui rende quand il revient. Trop de cul, t'as oublié ton or! On n'en veut pas, nous! On n'est pas les voleurs! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ramène la charrette à Graveltan. C'est pas loin? C'est plus très loin, non. Écoutez, on la met sur le côté et puis voilà. Non, on va pas la mettre sur le côté, il risque de la perdre. Bah oui. N'importe qui peut la voler. Bah oui, mais si on se ramène comme ça au village, on va croire qu'on l'a volée. Eh, c'est pas chez toi, ils te connaissent pas un minimum? Enfin, je sais pas, enfin. Moi, je connais 4 personnes, mais ça faisait un moment que j'étais pas vraiment sortie de chez moi, donc. Bon, bah, il y avait aller la chercher. Non, il viendra chercher sa charrette. Étant donné qu'il est parti en volant et vu la vitesse à laquelle il s'est barré, c'est pas à pied qu'on le rattrapera pas. Ouais, c'est ça. Autant qu'on ramène la charrette à Graveltown, qu'on leur dise qu'il s'est barré parce qu'il a eu peur de quelque chose et qu'on lui ramène. Okay. On ramène quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Mais je comprends pas pourquoi les gens ont peur de ce coup-là, elle est adorable. Elle a fait un sort de terreur, putain. Ah oui, écoute, il avait qu'à rester et répondre aux questions. En vrai, il se serait pas barré, elle aurait laissé tomber parce qu'elle aurait vu qu'il savait rien, quoi. Bah, il s'est barré. Voilà. Ah ouais, mais t'as trop bien fait ton jet d'intimidation. Mais je lui avais dit, je lui avais dit d'arrêter de s'enlever le truc, hein, pourtant. Oui, justement, il a vu que tu t'es sonné, donc il a profité pour se casser. Bon, bah moi je m'attelle. Je t'aide à t'atteler. Je t'aide à t'atteler. Bon, vous arriverez à Graveltown, mais pour le reste, ça sera... Demain. Je vais juste prendre en considération, si vous le voulez bien, ce que vous aurez rendu la charrette à quelques gardes de la ville. Oui. Oh oui. En arrivant, on expliquera que le gars a eu peur et qu'on a vu le gars s'enfuir avec une... s'enfuir. Ou juste qu'on a trouvé la charrette... On dirait qu'on a trouvé la charrette abandonnée par terre. Bah non, sinon ils vont pas lui rendre à lui, ils vont piquer l'or et tout. Non, on dirait juste qu'on a vu le gars, il a dû avoir peur d'un ours ou d'une merde, et puis voilà. Et on sait pas où il s'est barré. Voilà.
D'accord. Le plus gros mytho. C'est la team des mythos quand même. Mais pour des bonnes raisons. Moi j'ai rien dit. Et la suite au prochain épisode. Tan, 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 tan. Allez, on rappelle les cartes et on les mélange.